Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ici ce soir pour le conseil du 7 février. Et je veux aussi remercier les gens qui nous écoutent et qui nous regardent en visioconférence. Donc, bienvenue au conseil. Je le déclare ouvert et nous allons commencer avec le mot d'ouverture de la séance, c'est-à-dire des élus. Alors, je vais commencer et on passera la parole. Avant, c'est ça qui me manquait. Il faut se présenter quand même. Donc, je vais demander, donc je suis maire, Laurent Desbois, et je vais commencer par ma droite. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Caroline Brond, je suis conseillère dans le district de Jeanne-Sauvé. Marie Potvin, conseillère municipale du district Robert Bourassa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Patrault, conseillère dans le district Joseph Beaubien. Donc, merci. Je vais demander à Marie-Claude Leblanc, directrice de l'arrondissement, de présenter son équipe. Tout à fait, Monsieur le maire. Alors, Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement. Et puis, à ma droite, j'ai Julie Desjardins, la chef de division soutien administratif et secrétaire d'arrondissement, et Garda Félicitain, secrétaire recherchiste. Et en avant de moi, j'ai Amélie Poitras, directrice d'arrondissement adjointe qualité de vie. À ma gauche, qui vient d'apparaître, Marie-Hélène Lavallée, adjointe de direction, et Mélanie Hamel, chargée de communication. J'ai failli me tromper. Sylvain Laprade, au niveau de la sécurité publique, notre technicien de Maestro Vision, et Armel, notre technicien informatique. Merci. Merci, Madame Leblanc. Donc, je vais commencer par dire quelques mots. Trois, quatre éléments ce soir pour moi. Donc, premièrement, je vais demander aux citoyens, s'il vous plaît. Premièrement, nous avons un plan pour rendre Outremont sécuritaire. C'est notre priorité de cette année. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont en cours et plusieurs qui sont à venir. Je vais en nommer quelques-unes. On commence par la sécurisation des écoles. Donc, on travaille avec les directions d'école, les comités de parents. Je vais laisser Mme Brown expliquer la démarche plus en détail, mais l'important de dire, c'est que toutes les écoles représentent des situations particulières de sécurité. Donc, il faut y aller au cas par cas. Et ce soir aussi, nous allons voter un budget pour pouvoir mettre des nouveaux panneaux de corridors scolaires. Donc, ces corridors scolaires-là, autour des écoles, ont été déterminés par le SPVM. C'est un corridor qui est le plus sécuritaire pour les piétons, pour les élèves, pour qu'ils se rendent à l'école. Donc, on va le marquer, comme ça, les automobilistes vont pouvoir savoir qu'ils rentrent dans une zone scolaire. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce que ça a l'air. Pardon. Voici. Donc, les nouveaux panneaux de corridors scolaires. Donc, c'est assez visible, assez voyant. Et j'espère que les automobilistes vont y porter attention. La deuxième série de mesures qu'on prend, c'est de sécuriser les ruelles. Alors, on sait que les sorties de ruelles et les entrées de ruelles représentent un certain danger qui est variable selon les ruelles. Et particulièrement ce soir, on va enlever des cases de stationnement autour de certaines ruelles qui sont qu'on considère les plus dangereuses, c'est-à-dire des ruelles qui sont proches des écoles et des ruelles qui débouchent sur des rues qui sont des artères, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de circulation de transit. Donc ici, on parle d'une soixantaine de places et il faut ajouter, inclus là-dedans, les sorties d'entrée sur l'avenue Bates. Donc, les citoyens de l'avenue Bates nous ont contactés, nous ont fait part que c'est quand même assez dangereux de sortir de certaines entrées. Donc, on va dégager la vue en enlevant des cases de stationnement. Ensuite, à venir, dans notre plan de rendre Outremont sécuritaire, on regarde toutes les options. Donc, rendre certaines rues des sens uniques. Ajouter des pistes cyclables qui sont sécurisées. Donc, on réfléchit à des projets pilotes pour cet été.
Nous n'avons pas encore déterminé les routes ou les quelques avenues qu'on pourrait changer. Mais on travaille avec des spécialistes. Donc, on travaille d'une part avec Vélo Québec pour les pistes cyclables et aussi avec un ingénieur bien connu à Outremont qui est professeur de génie à l'Université McGill et qui est un spécialiste de la circulation. Donc, ils vont nous aider à établir les bonnes avenues pour qui ont besoin d'apaisement, donc de les rendre en sens unique et d'ajouter des pistes cyclables. Aussi, comme mesure de sécurisation, on a un projet sur l'avenue Bloomfield, pour cet été, un projet pilote d'apaisement. Et aussi, on vote ce soir des changements à la circulation, donc des sens uniques, dans l'îlot Antonin de Maillet. On sait les dangers, parce qu'on a vu plein d'accidents cet été, entre au coin d'Antonin de Maillet et Van Horn. Et donc, c'est extrêmement important de sécuriser tout l'endroit. Et donc, ce soir, on va voter les changements de sens unique dans ce secteur. Finalement, je voudrais quand même ajouter, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais c'est quand même assez important qu'on ait un plan directeur de mobilité durable, sécuritaire. Et dès cet été, dès ce printemps, en fait, en mai, en juin, ils vont faire des collectes de données de circulation qui vont nous permettre de faire des recommandations pour apaiser certaines rues. Alors, l'objectif de ce plan, c'est de diminuer la circulation de transit qui nous envahit ici à Outremont, on le sait, de sécuriser les plus vulnérables et enfin de recommander des pistes cyclables. Donc, beaucoup de choses qui se passent en 2023 pour sécuriser Outremont. Ensuite, sur le stationnement, donc, tel que promis, on l'a discuté à plusieurs reprises, on révise le plan de stationnement. Particulièrement, nos objectifs, c'est de redonner la priorité aux résidents dans certains secteurs denses. Donc, ces résidents qui avaient perdu la priorité pour stationner devant chez eux. Donc, on redonne cette priorité aux résidents pour pouvoir stationner chez eux. Donc, en termes de liberté de circulation, en fait, on rend l'arrondissement plus strict en donnant priorité à des résidents pour à peu près 50% du territoire. On enlève aussi les irritants. On a commencé à enlever les irritants le soir et le week-end. Alors, l'objectif là-dedans, il y en a deux. Un, c'est un gros irritant de demander une vignette pour stationner le soir et le week-end. Mais deux, le 2 heures qui a été inclus dans le plan de stationnement précédent est totalement inapplicable. Et cette mesure de permettre aux gens de stationner pendant 2 heures a été prise contre l'avis des spécialistes parce qu'on le sait, c'est inapplicable. Donc, notre objectif ici à nous, c'est de le rendre applicable. Donc, le 2 heures va être appliqué, mais pour faire ça, il faut réduire le territoire où il y a du 2 heures parce que l'Agence de mobilité durable ne peut pas vérifier et contrôler le 2 heures sur tout le territoire d'Outremont. Donc, on va réduire d'à peu près 50% de territoire du 2 heures. D'ailleurs, en donnant la priorité aux résidents, il n'y a pas de 2 heures là-dedans. Donc, déjà là, on enlève beaucoup de 2 heures. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir appliquer le règlement du 2 heures. Mais pour ce faire, il faut réduire les rues où il y a du 2 heures. Donc, on commence ce soir par le nord-ouest. Parce que c'est là où il y a le moins d'impact. Dans nos discussions avec l'Agence de mobilité durable, on est bien d'accord. Donc, on commence avec ça, puis on va continuer à travers l'arrondissement d'Outremont. Donc, voilà pour le stationnement. Et il y a 2 autres éléments que je voudrais mentionner ce soir. Donc, il va y avoir une fête, une grande fête. La fille d'un rabbin va se marier et il y aura plusieurs rabbins à cette fête le 22 février. Donc, ça va, il y aura quand même pas mal de monde, on s'attend à pas mal de monde. Et les festivités auront lieu autour du Rocher et Van Horn. Donc, c'est un mercredi soir. Donc, c'est à noter que le mercredi soir, le 22 février, à partir de 17h, je crois, si je ne me trompe pas, il va y avoir beaucoup de circulation piétonne, en fait. Et des autobus. Donc, c'est à éviter. On recommande de prendre Thérèse Lavoie plutôt que Van Horn à partir de ces heures-là, de 17h.
Et tous les détails ne sont pas encore mis au point, mais nous avons bien évidemment l'appui de la SPVM qui sera là en grand nombre pour s'assurer que tout se passe bien. Ensuite, finalement, il y a une activité d'information sur le projet du Campus 1000. Ça, c'est très important. Donc, il va y avoir une soirée d'information en mars, donc qui s'en vient. Alors, la Ville de Montréal va présenter, va partager, en fait, leurs options qu'ils regardent pour le Campus 1000. Et ça va être une belle occasion pour s'informer de ce qui se passe. Et ça sera aussi une belle occasion de poser vos questions. Donc, je vous invite tous et toutes à être présents à cette soirée d'information en mars 2023. Je pense que la date précise n'a pas encore été, mais on communiquera la date quand on l'aura. Donc, voilà pour moi. Je complète là-dessus. Je vais passer la parole maintenant à Mme Brown. Bonsoir. Alors, merci à tous ceux qui se sont déplacés ici. C'est vraiment le fun de vous voir. Moi, je vais vous parler brièvement de sécurité des écoles. Depuis le dernier conseil, on a eu l'occasion de rencontrer l'école Stanislas. Donc, on a eu une première rencontre avec la direction et les responsables de la sécurité. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer la direction ainsi que les responsables de la sécurité des établissements d'enseignement BELTS. Les écoles BELTS, particulièrement celles au coin de Dollard et Duchamp, vont être très impactées car il va y avoir les travaux de la nouvelle école et du parc Irma Levasseur qui vont débuter bientôt. Je peux vous dire aussi que l'école Kerb a créé un comité mobilité et sécurité composé de parents et d'experts en circulation. Ils ont déposé des recommandations pour améliorer la sécurité aux alentours de Kerb et Buissonnière qui sont à l'étape de l'analyse actuellement. On a débuté le projet pilote à l'école Guy Drummond. C'est un projet pilote qui est en évolution, donc il n'est pas terminé et il devrait avoir d'autres éléments qui vont se rajouter bientôt. Ils sont encore une fois à l'étape de l'analyse. Et je vous rappelle que l'objectif principal de ces projets-là, c'est vraiment d'améliorer la sécurité des enfants. D'ailleurs, je vois un brigadier dans la salle que je croise souvent le matin et que je salue. Et c'est vraiment ça l'objectif de ces projets-là, c'est d'améliorer la sécurité des enfants. Vous allez voir aujourd'hui une motion que je présente. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un citoyen qui a porté plainte à la Commission des droits de la personne. Il y a une décision qui a été rendue par le Tribunal des droits de la personne et qui a jugé que son expulsion du CCU était de la discrimination basée sur des motifs politiques. Là, c'est plus la juriste qui vous parle, mais c'était vraiment important pour moi qu'on agisse adéquatement dans cette situation-là. Je fais le parallèle avec les congédiements injustifiés. Quand un employeur congédie un employé sans motif, il va avoir une réparation pécuniaire pour le salaire qui a été perdu, mais il va aussi avoir une réintégration. L'arrondissement d'Outremont a payé un montant d'argent à ce citoyen-là, mais n'avait jamais officiellement déposé ses excuses et n'avait jamais non plus offert au citoyen de réintégrer son poste. Donc, on a décidé de faire ce qu'on pensait qui était légalement le plus justifié dans les circonstances. On a communiqué avec le citoyen, on lui a demandé s'il voulait réintégrer son poste. Après un certain temps de réflexion, il a décidé que oui. Donc, aujourd'hui, vous allez voir une motion qui explique cela. J'en profite pour vous annoncer aussi qu'il va y avoir une fête des neiges 18 et 19 février au Parc Soleil. Il va y avoir des jeux gonflables, de la tire, de la musique, un igloo, de la nourriture. Ne manquez pas ça. Vous allez voir aussi un budget de 7 000 $ pour un magnifique projet d'une carte ludique, un projet mené par la Société d'histoire d'Outremont. C'est une carte qui va faire la promotion de l'histoire d'Outremont, mais qui va aussi, qui est destinée à tous les enfants d'Outremont pour mettre de l'avant l'histoire et les attraits de l'arrondissement. Il y a une artiste qui va illustrer la carte et ça, c'est la première étape du projet. C'est un projet super emballant et je salue le dynamisme et l'implication de la Société d'histoire d'Outremont. Le Camp Soleil. Jusqu'en 2019, le Camp Soleil était géré par l'arrondissement d'Outremont, donc à l'interne. Le camp aurait environ 50 ans. On fêterait ses 50e année aujourd'hui, mais en 2020, Outremont a décidé de donner à l'externe le camp du Parc Soleil et c'était la société Bois de Boulogne, la corporation Bois de Boulogne qui avait signé une convention de 3 ans. La convention s'est terminée en 2022 et cette année, il y a eu des négociations avec eux, mais ils ont décidé de ne pas reprendre le contrat.
On a été au courant de la situation et l'équipe de l'arrondissement met tout en œuvre pour essayer de trouver une solution. On sait à quel point c'est important pour les parents d'avoir un camp dans le quartier. Alors, ils sont en train d'analyser toutes les alternatives actuellement. Et on pense qu'on devrait être capable de préciser une solution dans les prochaines semaines. Il va y avoir des communications. Dès qu'on a une solution, les communications vont être diffusées. Le 22 février, il va y avoir une rencontre pour les rues Pratt et Heartland pour discuter de stationnement et de sécurisation. Vous avez entendu parler des sens uniques. Tout le monde devrait recevoir un avis par la poste chez eux. Et si jamais vous ne la recevez pas, bien, je vous invite fortement à m'écrire pour que je puisse vous l'envoyer. Je vais la diffuser aussi sur Facebook. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là et je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Brown. Donc, je vais passer la parole à Mme Potvin. Oui, bonsoir. Alors, je vais aller dans la sécurité un peu parce qu'on a maintenant, sur le boulevard Saint-Joseph, installé des stops avec des lumières autour. Et je pense que dans certains endroits d'Outremont, on devrait utiliser beaucoup plus souvent d'illuminer les stops aux intersections. Je crois que ça peut aider. Dans certains arrondissements, c'est le cas, ça s'est amélioré d'ailleurs. Alors ça, c'est à s'occuper. Et là, on aura les corridors scolaires qui vont être maintenant bien appliqués. Et ça va être beaucoup plus sécuritaire pour les jeunes enfants. Et ça va être quand même beaucoup plus moins. On sera moins inquiète à ce sujet-là que les mères de famille, même les pères. Alors ça, c'est une implantation c'était le temps d'avoir ce type de corridor scolaire. Je crois qu'il ne fallait pas retarder parce qu'il y a quand même des jeunes familles maintenant, beaucoup plus de jeunes familles qu'il y a quelques années. Alors, c'est important. Et aussi les intersections et les piétons, où les piétons traversent des gens d'un certain âge ou des gens des fois handicapés. Alors là-dessus, c'était le cas. Il y a également quelque chose de fort intéressant pour la culture, le Festival des Casteliers, du 1er au 5 mars. Alors moi, je recommande de ne pas manquer, c'est pendant 5 jours, du 1er au 5 mars, 6 jours, et ça vaut la peine d'assister rapidement, prendre d'acheter des bons... en fait, le Festival des Casteliers, mais les marionnettes. Et vous avez, si vous allez au théâtre Outremont, vous avez toute la brochure exacte des spectacles qui vont être donnés. Alors ça, c'est vraiment à ne pas manquer. Il y a également quelque chose d'intéressant au niveau du patrimoine, parce que le patrimoine est important à Outremont, le conserver. Et je pense, là, justement, il y a eu dans le cadre du Grand Prix de l'opération patrimoniale, la mention de prendre soin aux citoyens ils appelaient ça prendre soin. C'était des gens qui sont résidents du 1254 boulevard Mont-Royal pour leur projet d'agrandissement. Ils ont complètement respecté un peu l'architecture de cette maison-là qui a été construite dans les années 1950. Alors, ils ont gagné, ils ont une mention de prendre soin pour le cadre du Grand Prix de l'opération patrimoniale. Le Grand Prix qui a été donné, c'est au 400 Avenue Atlantique, Redonnez-moi vie, c'était ça un peu qu'on appelait, et la restauration de l'enveloppe, des systèmes mécaniques, la mise en valeur des espaces intérieurs. Avant, c'était une manufacture de cigares et ensuite des vêtements. Alors, c'est quand même deux bons prix pour le patrimoine, et je crois que c'est important de parler, de protéger le patrimoine bâti, le patrimoine du dernier siècle, des dernières années. Ça vaut la peine de conserver ça d'une façon très, très essentielle pour l'histoire d'Outremont et pour le futur d'Outremont également, dans le modernisme et le futur, garder le patrimoine. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Mme Potvin. Donc, je cède la parole à Mme Patrou. Alors, à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, ceux qui sont en présence et ceux qui nous suivent en ligne. Ben, moi aussi, je vais parler sécurité. Alors, je me joins à M. Desbois pour me réjouir du fait que les abords des ruelles, qui sont les plus dangereuses, va y avoir plus de visibilité pour
pour les automobilistes, disons, mais aussi évidemment pour les enfants qui circulent dans ces secteurs-là. On se rappelle que l'année dernière, il y avait eu un enfant qui avait été frappé par une auto à l'entrée d'une de ces ruelles. On avait proposé un amendement, Madame Pollack et moi-même, pour agrandir ces zones autour des entrées des ruelles. Et je suis contente qu'aujourd'hui, nous allions de l'avant avec cette modification. Je tiens aussi à mentionner que vous avez, pour ceux qui passent à l'intersection Dollard-Van Horn régulièrement, les travaux sont en cours de préparation. Là, les travaux dont je parle, c'est la mise aux normes des feux de circulation. Il y en a déjà eu plusieurs intersections qui ont été mises aux normes sur la rue Van Horn. Et là, celle de Dollard et Van Horn, c'est vraiment une intersection qui est majeure. Ça va, je pense, faire une différence. On sait évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui circulent dans cette zone et qui se rendent aux écoles du secteur. Et donc, j'espère vivement que ce chantier va vite se dérouler de façon à ce qu'on puisse avoir cette mise aux normes des feux de circulation qui est réalisée par la ville de Montréal le plus rapidement possible. Et un point aussi que je me permets d'ajouter, c'est le SPVM. Depuis maintenant quelques semaines, il publie en ligne un bilan trimestriel de plusieurs indicateurs. Donc, il suffit d'aller sur le site du SPVM au PDQ 26 et vous pourrez suivre, si pour les personnes qui, comme moi, aiment avoir accès à des données disponibles, et bien maintenant, les données du SPVM sont en ligne. Au niveau aussi ce soir, vous ne l'avez pas mentionné, Monsieur Desmois, alors je me permets de le rajouter, c'est la protection des résidences pour aînés. Je pense que c'est un point, on était tous d'accord l'autre fois. Et bien, je tiens à remercier le service de l'urbanisme de l'arrondissement qui a réagi vite de façon à mettre à jour la réglementation afin que les résidences pour aînés restent des résidences pour aînés et ne puissent pas être converties à d'autres fins. Donc, merci aux employés du service d'urbanisme d'avoir travaillé sur ce dossier. Au niveau des activités de loisirs et culture, on a parlé du Festival des Casteliers et je vous invite également à déambuler dans les rues commerçantes du quartier parce que les Casteliers sont également en vitrine et donc les marionnettes sont présentes depuis déjà quelques jours dans les vitrines du quartier. C'est une belle animation qui est proposée dans le cadre du festival et je vous invite à en profiter. Au niveau de l'histoire, je me joins à vous. J'apprécie beaucoup le projet qui nous a été proposé par la Société d'Histoire d'Outremont et je les remercie pour cette initiative. Et en parlant d'histoire, je vous rappelle que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Il y a toute la thématique cette année, c'est de l'obscurité à la lumière et il y a de nombreuses activités qui ont lieu. Je vous invite à en prendre connaissance sur le site web Mois de l'histoire des Noirs et de participer à ces activités. Enfin, je présente une motion en accord avec mes collègues aussi. Concertation Montréal, c'est le porteur du projet sur les journées de la persévérance scolaire à Montréal. Et ils invitent donc l'ensemble des élus à s'engager envers la persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire cette année auront lieu du 13 au 17 février 2023. La thématique de cette année, c'est l'importance de l'entourage, nos gestes, un plus pour leur réussite. Alors, ces journées se veulent un temps fort dans l'année, notamment en témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance et de la réussite scolaire. Et les élus municipaux souhaitent témoigner de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation. Donc, nous aurons une motion à la fin de la séance à ce sujet. Alors voilà, pour moi ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Madame Patro. Donc on va continuer dans l'ordre du jour. Le prochain point, c'est le 10.03. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 7 février 2003 à 19h, tel que proposé. Je propose. J'appuie.
Je souhaite apporter un amendement. Je demanderais à scinder le point 51.02 de façon à ce que je puisse exprimer mon vote pour les personnes qui sont nommées au CCU d'Outremont, mais en retirant le nom d'Alexandre Lucier, car je souhaite me retirer à ce moment-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Donc, si c'est possible de scinder le point 51.02. Est-ce que l'amendement est appuyé par un membre du conseil? Non. Donc, l'amendement tombe. Il y aura vote sur la proposition principale telle que proposée. OK. Donc, on continue le prochain point. Monsieur Maire, il faudrait voter sur l'adoption de l'ordre du jour. Oui, d'accord. Donc, Madame Batreau. Oui, j'ai voté pour l'ordre du jour, mais vraiment, j'aurais aimé pouvoir scinder le point et exprimer mon vote démocratiquement. Je vais mentionner qu'on a eu la discussion et donc dans le code d'éthique sur les conflits d'intérêts, c'est pas du tout ce dont il s'agit. Là. On parle d'intérêts pécuniaires ou de personnes autres que soi. Donc, il n'y a pas matière à une apparence de conflit d'intérêts. Vous avez... tout le loisir. Et on ne va pas faire un débat là-dessus parce que je vais juste dire que vous avez tout le loisir d'exercer votre fonction de conseillère, de voter selon votre conscience. Mais il n'y a pas d'apparence de conflit d'intérêts. Je vais terminer le débat là-dessus. Vous n'êtes pas conseiller à l'éthique, Monsieur Desbois. Je vais terminer. Vous n'êtes pas conseiller à l'éthique et j'applique exactement les recommandations du conseiller à l'éthique. Vous auriez pu lui demander avant. Non. Avez-vous demandé de refuser. Si vous avez une recommandation du conseiller à l'éthique, moi j'ai rien vu. Alors je peux pas dire rien là-dessus. Donc on va passer au prochain point. Au vote. Au vote. Madame Patron. Vous votez contre ou... Non, je vais quand même voter pour l'ordre du jour, même si vous refusez l'amendement que j'ai proposé. Quand on vote, on ne commente pas, là, donc je vote aussi. Donc, donc c'est unanime. Donc, on est rendu à la question des citoyens. Donc, on va commencer, comme d'habitude... par les citoyens qui sont et citoyennes qui sont sur place. On a aussi, je vais vous juste rappeler, on a à peu près une vingtaine de questions en ligne. Donc, il y a 8 questions sur place. Donc, ça veut dire presque une trentaine de questions. Donc, je vais vous demander de poser la question sans trop de préambule parce qu'on a 30 questions. Donc, et toujours dans le respect, comme vous faites d'habitude. Donc, je vais demander à la première personne, Anne Letourneau. J'ai envoyé ma question en ligne à propos, mais je voulais juste donner des compléments, si possible. Est-ce que vous voulez voir la question? C'est le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Alors, j'ai envoyé la question déjà en ligne et on m'a dit que c'était le numéro 11. C'est à propos du stationnement sur la rue du Rocher. Est-ce que vous voulez que je pose ma question au complet ou je repars à zéro? C'est-à-dire qu'on a, vous avez envoyé effectivement la question. Vous pouvez la poser ou on peut la lire comme vous voulez. Bon, depuis l'été, il y avait... sur le côté, moi je vais vous dire, la rue du Rocher, entre Fermentes et Saint-Viateur, il y a quelques années, il y a des citoyens qui ont demandé, qui ont fait comme une pétition pour qu'on ne puisse pas stationner du côté ouest. C'est comme ça depuis ce temps-là, sauf depuis l'été, où, à cause des travaux probablement, on avait la permission de stationner du côté ouest, c'est-à-dire les résidents qui avaient la vignette numéro 1 pouvaient stationner du côté ouest. Ça a réglé tous les problèmes. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de stationnement dans ce coin-là, parce qu'il y a beaucoup de grosses voitures, beaucoup de visiteurs, beaucoup... Bon. Et de stationner que d'un côté, ben, ça nous empêche souvent de stationner près de notre maison. Alors, ce que je demandais, c'est
pourquoi on ne pourrait pas laisser cette mesure-là maintenant, puisque ça a si bien fonctionné, ça a été temporaire, mais on l'a enlevé maintenant parce que les travaux sont finis, bon, puis tout ça, mais en plein hiver, il y a beaucoup de déneigement, il y a du nettoyage l'été, et c'est complètement interdit du côté ouest. Alors moi, je trouve ça déplorable, je trouve ça dommage, parce que vraiment, ça avait réglé tous nos problèmes, parce que souvent, on doit stationner ailleurs, dans d'autres rues. Je pense qu'au départ, il y avait eu une pétition, je sais qu'il y avait eu une pétition de certains citoyens il y a quelques années, mais je pense et je proposerais qu'on refasse peut-être une consultation, parce que les choses ont changé. Le temps passe. C'est peut-être pas les mêmes problèmes aujourd'hui. Je pense que les personnes qui avaient fait la pétition espéraient mettre des espaces verts et tout. Les budgets sont peut-être réservés à des choses plus importantes que ça. On parle des écoles à sécuriser, tout ça, je pense que c'est plus important. Nous, notre rue, elle est quand même assez large pour deux côtés de stationnement. Et je trouvais, pour finir, je vais juste vous dire que moi, personnellement, j'ai bien apprécié cette mesure qui était temporaire, mais qui malheureusement est enlevée. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait garder ça comme ça, c'est-à-dire stationner des deux côtés, côté ouest pour les résidents avec vignette numéro 1 et de l'autre côté pour les résidents vignette 1 et les visiteurs 2 heures. Bon, mais ça, vous verrez, là, vous... Oui. Voilà. Oui, non, tout à fait. Puis je suis très conscient de l'enjeu là, sur l'avenue du Rocher. D'abord, merci pour votre question. Merci de venir ici pour la poser. Comme vous l'avez dit, la permission de stationner du côté ouest là, de Durocher est temporaire, là, motivée par les travaux sur la rue Kerb. Mais on a beaucoup de citoyens comme vous qui se plaignent de la difficulté de trouver du stationnement sur votre tronçon. Et l'implantation de la zone 2 au sud de Fairmount augmente la pression sur votre tronçon. Donc, on est très conscient de ça. Toutefois, on est en train de rétablir l'ancienne zone, là, S3R, ce qu'on appelle la zone 6-5, qui est réservée aux résidents dans votre secteur. Et il y a une proposition d'implanter des zones exclusives aux résidents du côté est de votre rue. Vous allez recevoir un avis à cet effet, très bientôt. Cet avis vous invitera à envoyer vos commentaires. Et j'invite tous les résidents à envoyer des commentaires à ce que vous venez de faire. Et s'il y a beaucoup de résidents, c'est sûr que nous allons, comment je pourrais dire, nous sommes toujours ouverts à consulter les gens. Donc, j'invite les gens à faire leurs commentaires et après, on va consulter. Et on va regarder la situation, on peut trouver une solution qui fasse l'affaire des résidents qui y habitent. Mm-hmm. C'est notre objectif. Comme moi. Oui, comme vous, exactement. Donc, merci beaucoup. Merci. Prochaine question va à M. Marc Poulin. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir aux conseillères également. Tout d'abord, Monsieur le maire, félicitations à votre administration pour la réintégration de M. Hussier au CCU. La preuve ayant été faite devant le tribunal des droits de la personne que son exclusion résultait d'une motion discriminatoire votée par les élus Projet Montréal, dont Mesdames Pollack et Patro. Je souhaite que ces dernières vont en profiter pour présenter leurs excuses personnelles à M. Hussier ainsi qu'aux citoyens qui ont eu à payer les pots cassés de leur abus de pouvoir. Ma question, elle, porte sur la collecte des ordures. L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve va passer à la collecte régulière aux 2 semaines. Cette décision controversée a également reçu l'appui de la mairesse Plante, ce qui nous amène à penser que cette coupe de service est politique officielle de Projet Montréal. Je voudrais donc savoir quelle est la position
de chacun de nos élus sur l'abolition d'une collecte aux deux semaines pour notre arrondissement, et en particulier celle de Mme Pollack, malheureusement absente. Ben, on pourra peut-être s'assurer qu'elle puisse me répondre personnellement à ma question, mais également celle de Mme Patrou, parce que les secteurs dont elles sont conseillères sont connus pour les enjeux relatifs à la collecte des ordures. La question m'intéresse. Tous les élus, chacun des élus, j'aimerais savoir leur position parce que c'est quand même un dossier assez important. Que la question, donc, toujours adressée au président de la séance, mais oui, je peux laisser la parole et donner l'occasion à chacune de donner leur point de vue. Bon, ce n'est pas un sujet que nous avons discuté là, dans le caucus ici entre nous trois. Je sais que je suis au courant du plan de Hochelaga Maisonneuve parce que ça a été voté aussi au conseil municipal. Et donc, c'est sûr qu'on est conscient de l'objectif de zéro déchet. Je pense que c'est un objectif que nous appuyons. Moi, je peux parler pour moi, que j'appuie. Mais il faut juste faire attention sur le moyen et la façon d'y arriver. Pour faire la collecte de deux semaines, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du tri en amont, le tri compost, le tri matière recyclable et le tri des déchets. Donc, pour que le montant de déchets soit assez faible pour faire du pour ramasser les déchets aux deux semaines. Alors, il faut d'abord s'assurer que, avant d'aller aux deux semaines, il faut d'abord s'assurer, éduquer, accompagner les citoyens à faire du compost, à faire du recyclage, et pour que les montants des déchets diminuent. Et je ne pense pas qu'en imposant les deux semaines, la collecte de deux semaines, est constructif. Là. Donc, je pense que c'est la bonne façon de le faire, c'est d'accompagner les gens à bien faire le tri en amont, compost, recyclage, et ensuite, effectivement, d'avancer dans une collecte à moins grande fréquence. Je veux dire. Mais il faut juste faire les choses dans le bon ordre, la séquence dans le bon ordre. Donc, c'est ma opinion, mais Madame Patrou, si vous voulez prendre la parole là-dessus et vous prononcer, non. Donc, je ne sais pas si ajouter, mais je pense que. En fait, c'est parce que je pense que Madame Patrou, les autres élus pourraient exprimer un point de vue là-dessus. Là. Question complémentaire, oui. Question complémentaire. Oui, j'ai le droit à la question complémentaire, Madame Patrou. Donc, oui, vous avez un. Parce que la position de la mairesse, c'est totalement à l'opposé de celle de M. Desbois. C'est la collecte aux deux semaines pour forcer les citoyens à faire le tri et non pas travailler en amont, etc. Donc, il y a comme deux visions qui s'opposent. Je sais que la position de la mairesse n'est pas nécessairement la vôtre. Vous êtes ici pour les citoyens d'Outremont d'abord et avant tout. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Encore une fois, juste te rappeler. Oui, je vous donne la parole, mais je veux juste rappeler que la question est toujours posée au président de la séance. Et donc, je donne l'occasion à Mme Patrou de s'exprimer. Bonjour, Monsieur Poulain. Merci pour votre question. Je suis contente que nous soyons tous en faveur du zéro déchet. Effectivement, ça a été le plan de gestion des matières résiduelles de la ville de Montréal a été en consultation lors du dernier mandat. Ça a été un grand sujet avec beaucoup de discussions, beaucoup de monde qui sont venus dans ces consultations que j'avais l'honneur de présider à la ville de Montréal et qui sont venus exprimer leur point de vue. Après, ce qui a amené à un plan ambitieux de réduction des matières résiduelles et notamment de réduction à la source. Donc, à Outremont, quand l'arrondissement va nous présenter des projets de réduction des déchets à la source, je serais très contente
de partager mes questions et mon avis. Pour ce qui concerne les autres arrondissements, je vous invite à aller dans les conseils d'arrondissement de ces arrondissements. Et puis pour Madame Plante, je ne vais pas parler en son nom, et je vous invite à aller au conseil municipal de la ville de Montréal pour lui poser les questions que vous avez à lui poser. C'est à vous que je posais la question. C'est pas, et c'est pour ça que Monsieur je suis venu ici, Madame Patrou. Ouais. Merci, Monsieur Poulain. Et je ne sais pas si vous aviez donné l'occasion à Madame Potvin et Madame Brown de s'exprimer. Monsieur Poulain, est-ce qu'il est là, Monsieur Poulain? J'avais juste un petit mot à vous dire là. Vous pouvez rester assis là si ça vous fatigue trop. Non, là. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus, moi. D'accord, c'est-à-dire qu'il va falloir le travailler fort. Mais je réalise, moi, comme simple personne, qu'on a de moins en moins de déchets parce qu'on en a dans le bac brun de jeudi. Après ça, c'est les déchets. Comment on appelle ça? Le mercredi soir, c'est les autres qu'on ramasse. Le recyclage, il y en a tellement. Après ça, c'est les feuilles l'automne. Après ça, fait que chaque matin, mais on en donne de moins en moins de déchets. Ça, on réduit de plus en plus. Moi, je trouve là, qu'on réduit de plus en plus nos déchets parce qu'on réutilise beaucoup les pots, les scies, le plastique et tout, comme partout. Alors, j'ai l'impression que peut-être que ça va venir. C'est sûr que s'il y a 6 personnes dans une maison, dans un condo, il y a plus de déchets. Mais ça va être regardé de tous les côtés, j'ai l'impression. Ça va être regardé. Je ne trouve pas ça mauvais. Mais évidemment, ça prend une application qui correspond à la population. En fait, la question que j'essayais d'élucider, c'est la poule et l'œuf. C'est la poule et l'œuf? La poule et l'œuf. La position du maire des Bois me semble tout à fait réaliste. C'est qu'on travaille à réduire, comme vous le dites, les déchets à la source d'abord et avant tout. Puis quand on a réussi ce travail-là, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être aux 2 semaines. La position de Projet Montréal exprimée par Mme Plante, c'est qu'on coupe les collectes pour forcer le changement des citoyens. Malheureusement, moi, mon point de vue, c'est que ça ne marchera pas, surtout dans notre secteur. Il y a beaucoup de secteurs à Outremont où on a encore beaucoup de travail à faire pour l'élimination à la source. Merci. Merci. Donc, petit à petit, ça va, on va s'instruire et ça va. Alors, merci quand même. Et dernier commentaire pour clore le débat, Madame Brown. Je voulais juste vous dire, M. Poulain, qu'on a une consultation publique qui s'en vient d'ici la fin de l'année sur ce qu'on veut faire, l'arrondissement d'Outremont et les citoyens, pour être exemplaire au niveau de la diminution, entre autres, de nos déchets. Alors, ça va être une belle occasion de valider ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on a des spécificités dans l'arrondissement d'Outremont. On n'est pas pareil qu'ailleurs sur l'île. Et que peut-être que ce projet-là d'une collecte aux 2 semaines fonctionnerait super bien à certains endroits et ne fonctionnerait pas bien à l'autre. Puis c'est un peu ce qu'on essaie d'envoyer comme message depuis le début, je pense, de notre mandat, c'est qu'on doit respecter les spécificités de notre arrondissement. Puis quand on débutera un projet pilote, ou si on débute un projet pilote à cet effet-là, mais qu'on le fasse en équipe, puis que les citoyens soient prêts à le faire, puis qu'ils participent, et qu'on soit capable de s'ajuster. Mais c'est sûr qu'évidemment, si on n'a plus de déchets parce qu'on fait le recyclage, le bac brun, bien, pourquoi faire une collecte à chaque semaine? Mais il faut que ça se fasse en équipe, il faut que ça se fasse en transparence, puis c'est ce qu'on a envie de faire aussi, si on se rend là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Donc, on passe à la prochaine question de Atta Kassayan. Merci d'avoir cité mon prénom, elle n'est pas mégenrée, c'est apprécié. Madame la conseillère, merci de l'opportunité de vous poser cette question. Je suis très content de votre énoncé au début qu'il y a un corridor scolaire qui s'installe, qu'il y a des mesures qui vont être prises pour sécuriser la rue. Je voulais vous féliciter, Madame Brown, sur un excellent travail de sécurisation de l'école Guy Drummond. Il reste beaucoup à faire, mais il y a une nette amélioration, surtout depuis que certaines places de stationnement ont été enlevées. Ma problématique est connue de tout le monde qui lit ce courriel sur le conseil, donc ça exclut certaines, mais
Mme Brown était la seule personne qui a pris la chose de sérieux, qui a véritablement agi. Je la remercie de fond de cœur parce que c'est pas son district proprement parlant, mais j'ai deux enfants qui prennent la rue Bloomfield pour ensuite marcher sur la joie pour aller à leur école. Il y a plusieurs personnes qui font plus de stop. C'est chose naturelle. La société perd certains repères quand il y a deux ans de pandémie et la mauvaise gestion. Il y a aussi de la trafic assez important sur la rue Bloomfield, sur la rue Lajoie. Et il y a eu deux accidents. Madame Patrois a référé à un accident, mais il y en a eu deux. Dans les 9 derniers mois, il y a deux enfants qui ont été happés sur cette rançon de la rue-là. Donc, deux questions que j'avais et je suis vraiment reconnaissant de M. Maurice aussi qui est un pilier qui me donne le seul sentiment de sécurité que j'ai dans ce quartier qui devient de plus en plus dangereux. Est-ce que la ville a un plan concret pour faire revenir un brigadier ou installer les lumières sur la rue Lajoie et Bloomfield parce que des hachuries par terre, ça ne fait rien? Et est-ce que la ville peut garantir qu'il n'y aura pas de fermeture des rues d'à côté ou déviation de trafic, de sorte d'augmenter le trafic sur la rue Bloomfield et la Joie, parce que c'est un corridor scolaire, effectivement. Dans le meilleur des cas, il doit y avoir juste un voie qui traverse, mais voilà, ça c'est ma question, Votre Excellence. D'accord, merci. Donc, merci d'être là, merci de poser la question. C'est une question effectivement importante. Et donc, j'ai décelé trois questions, en fait. La question du brigadier, la lumière potentielle et la circulation Bloomfield-Lajoie. Là, donc, ou si on veut résumer sécurisation. Sécurité, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, on est très conscient. Bon, il y a eu l'accident, effectivement, au coin de Lajoie et Bloomfield. On est très conscient que sous Bloomfield, il y a beaucoup de circulation de transit. Donc, des gens qui viennent du centre-ville, qui vont juste passer par Outremont et qui s'en vont prendre le viaduc Rockland pour aller dans le nord, Laval, etc. Donc, il y a beaucoup de circulation de transit et c'est un fléau à Outremont, je l'ai déjà dit. Et on va tout faire pour réduire cette circulation de transit. C'est inacceptable qu'on fasse rien et qu'on laisse la circulation de transit augmenter chaque année. Alors, pour la question du coin Bloomfield-Lajoie, donc Bloomfield, il y a beaucoup de circulation de transit. Lajoie, il y a beaucoup de circulation aussi. Et donc, pour la question du brigadier, nous, on veut sécuriser. Bon, la question du brigadier, on peut le demander au SPVM. C'est la SPVM qui donne les ressources pour les brigadiers. Donc, nous, on peut faire cette demande-là. La lumière au coin de Bloomfield et Lajoie, il faudrait voir si c'est... je ne suis pas sûr qu'une lumière dans un secteur résidentiel, là, ça se fait. Il faudrait juste voir. Mais et, de toute façon, il faudrait demander probablement à la ville-centre, j'imagine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut examiner de notre côté. Et concrètement, là, pour les prochains mois, pour cette année, en tout cas, on a des projets pilotes pour cet été, donc qui affecte Bloomfield et Lajoie. Alors pour Bloomfield, on a un projet pilote qu'on va faire, donc qui va permettre de diminuer la circulation sur Bloomfield et la circulation de transit en particulier en créant un cul-de-sac au coin de Bloomfield et Elmwood. Donc déjà là, ça va régler beaucoup de problèmes de circulation et surtout de transit. Deuxièmement, pour Lajoie, on regarde différents, comme j'ai mentionné, là, on regarde différentes options pour Lajoie. Est-ce que ça devrait être un sens unique? Est-ce qu'il devrait y avoir une piste cyclable sécurisée? Enfin, toutes ces questions-là, on travaille avec Vélo Québec, puis avec des ingénieurs en circulation, pour voir si on installait ce genre d'aménagement, quel serait l'impact aussi, parce qu'il faut regarder l'impact sur l'ensemble de l'arrondissement, là, je veux dire. On ne veut pas, par exemple, diminuer la circulation de transit sur Bloomfield, mais l'augmenter sur Delépée à côté. Donc, il faut regarder l'ensemble de l'arrondissement. Mais oui, c'est un secteur qui est très dense en circulation. Beaucoup de piétons, beaucoup de cyclistes, beaucoup de voitures. Et on va trouver des solutions, je suis très confiant, pour mieux sécuriser cette intersection. Donc, voilà.
concrètement, vous pouvez faire une recommandation à la comité de sécurisation de prioriser cette tronçon de rue pour la SPVM? Oui. Parce que la SPVM n'a pas suffisamment de ressources et je pense que vous héritez de certaines décisions qui ont été prises par l'administration antérieure, mais la décision a été prise que cette tronçon de rue n'est pas prioritaire au niveau de Brigadier. Donc, s'il y a une activité à faire de cet aspect-là, et, surtout le point de ne pas faire dévier du trafic sur la Joie et Bloomfield, parce que c'est des rues résidentielles très utilisées. Il y a des enfants qui en écopent les prix. Merci pour vos commentaires. Ils sont très justifiés et on travaille là-dessus. Merci. Donc, la prochaine question, c'est Jean-Marc Corbeil. Bienvenue dans votre ancienne maison, mais toujours probablement un peu votre maison. Donc, je vous remercie de votre accueil. Et puis, je souhaite une bonne soirée à tous les gens que je connais ici. Là. J'espère que ça va bien. Écoutez, ce soir, mon propos est un peu plus large que juste un problème de trottoir, quoique les problèmes de trottoir sont extrêmement importants. Avant d'entrer dans le propos, je veux féliciter la direction de la qualité de vie et aussi votre initiative, M. Desbois, et membre du conseil pour la patinoire du parc Outremont, qui est un franc succès, même après le coucher du soleil. Même le cône orange a été transformé en but de hockey. C'est vraiment une utilisation très particulière, mais c'est vraiment beau. Et puis, je sais que ça pèse quand même sur les capacités là, des services, des travaux publics, là, mais c'est vraiment une réussite. Puis ça fait quelque chose d'écologique, pas cher et vraiment apprécié du public. J'y vais tous les jours. Des enfants de la garderie, des garderies adorent. Alors, c'est, je vous dis, là, chapeau pour l'initiative. Mais ce qui m'amène ici, c'est les inquiétantes finances publiques d'Outremont. Vous savez qu'au cours des 4 années où j'ai siégé ici, je me suis pris à contempler les chiffres, arrêter de les regarder simplement du côté sous l'angle politique, parce que je n'avais pas le pouvoir, donc je ne pouvais rien faire, mais les chiffres, on peut quand même les analyser, jouer avec, les regarder. Et puis, ce que je constate, c'est qu'on est un arrondissement qui est totalement sous-financé, et surtout un arrondissement sous-financé qui est en croissance démographique très importante. On risque, en 10 ans, de croître de 50 % la population. Donc, on était, avant la dernière réforme du financement des arrondissements, qui date, je pense, de 2017, si je ne m'abuse, on était un peu plus de 20 000 habitants, puis là, on risque d'être 30 000 en 2026. Donc, on parle dans une période de 10 ans de 50 % d'augmentation de la population. C'est pas peu, c'est un chiffre important. Évidemment, tout ça, c'est des services. On peut les regarder comme on veut, que ce soit des services de collecte d'ordures, d'aménagement du territoire, de restauration du patrimoine, etc. Ça prend des crédits. Et de surcroît, l'inflation a frappé durement. Il y en a qui l'ont pas vu venir, qui n'ont pas fait les emprunts au bon moment, là, quand les taux d'intérêt étaient bas. Mais ça, encore là, c'est de l'administration publique. Ce qui me porte à dire que là, ce serait important peut-être de faire un bilan, mais un bilan un peu différent de celui qui a été fait. C'est-à-dire un bilan, il faudrait peut-être se mettre à l'ouvrage et pondre une étude qui viendrait à la fois de l'interne, donc la fonction publique et de l'externe, pour savoir quelles seraient les finances d'un Outremont qui serait une municipalité indépendante de la ville de Montréal. La raison est simple, c'est qu'il y a des municipalités qui sont à peu près de la même taille que la nôtre, comme Hempstead, Westmount,
Ville-Mont-Royal, c'est un peu différent quand même à cause des petits parcs commerciaux. Mais il y a des ressemblances aussi, Côte-Saint-Luc. On peut voir que ces municipalités-là s'en tirent plutôt bien malgré les difficiles efforts qui sont à faire en temps d'inflation. Une étude de la sorte, ce n'est pas nécessairement pour s'extraire de la ville de Montréal, mais c'est pour avoir un bras de levier. Alors, vous savez, les amis, quand on est petit, on nous regarde comme petit, donc à la ville-centre. Hein? On est le plus petit arrondissement en nombre et en territoire de Montréal, donc on ne pèse pas lourd dans la balance. Je sais, M. Desbois, vous êtes quand même le vice-président de la commission finances, que vous avez fait des recommandations pour un refinancement des arrondissements, mais il n'y a rien tel qu'un outil de travail pour convaincre les gens qu'il faut qu'ils fassent des efforts. Un petit arrondissement, ça a des problèmes d'économie d'échelle. Je m'adresse à vous, l'économiste, là. Quand on engage un fonctionnaire, donc ici à Outremont, c'est comme si on engageait 5 à Côte-des-Neiges ou au plateau. Donc, faut pour voir un peu. Alors, quand on travaille, c'est beaucoup plus difficile ici. Maintenant, il faut retrouver le financement à la hauteur de ce qu'on est et qu'est-ce qu'on sera. Et là, il ne faut pas s'attendre à avoir des cadeaux d'une administration pour laquelle vous ne faites pas partie. Ça prend un outil de travail, ça prend quelque chose qui mobilise la population. Je ne sais pas si vous comprenez votre question, l'idée. Alors, je vous demande formellement, allez-vous procéder à une telle étude avec les différents scénarios possibles d'association aussi, de répartition des services avec d'autres arrondissements, etc.? Donc, oui, merci beaucoup pour votre question. Désolé hein, de tout le laïus. Ah, ça pourrait durer une heure. Ben, écoutez, moi, je suis passionné par ça, comme vous savez, là, donc je serais heureux d'en parler pendant des heures, aucun problème. Mais vous avez quand même dit des éléments très importants là, dans votre question. D'abord, l'augmentation du territoire qu'on doit servir, donc d'environ 13 % de la population qui augmente quand même pas mal. Notre financement n'a pas augmenté le transfert de la ville-centre. Donc, il y a une iniquité à ce niveau-là ou un ajustement qui doit être fait. Je peux vous assurer que j'ai discuté de la question avec Mme Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif. On va s'asseoir davantage et essayer de trouver plus de financement compte tenu du territoire qui a grandi autrement. Vous avez aussi raison de dire que l'inflation nous a désavantagés. On a eu une augmentation des transferts de la ville de 2 % seulement, lorsque l'inflation est à 6 %. Donc, c'est une coupe réelle d'environ 4 %, si je me souviens bien des chiffres. Pendant ce temps-là aussi, la ville-centre a augmenté quand même ses taxes d'environ 4 %, donc, et les transferts ont augmenté de 2 % aux arrondissements. Donc, il y a aussi là un déséquilibre fiscal, si on veut l'appeler comme ça, qu'il faut, régler là, dans le prochain... parce que là, il y a une ronde, une revue du financement des arrondissements là, qui va être faite, de toute la fiscalité de la ville de Montréal. Donc, ce sera l'occasion, effectivement, de faire nos représentations. Là, et donc, c'est cette année que ça se passe. Alors, vous posez une question intéressante, elle est hypothétique, là, mais... elle est intéressante, c'est-à-dire quelles seraient nos finances si on était une ville indépendante. Je ne veux pas m'avancer trop parce que je ne peux pas répondre à cette question, mais effectivement, on peut faire l'étude et regarder quelles seraient nos finances si on se compare avec Montréal ou à d'autres arrondissements. Effectivement, si je me souviens bien des chiffres quand j'ai présenté le budget, là, on verse environ 50 millions de taxes à la ville-centre et on reçoit environ 10 millions. Donc, on paye 5 fois plus que ce qu'on reçoit. Par contre, il y a des services que la ville-centre nous donne. Là, donc, il faut faire des ajustements là-dessus. Si on se compare, je ne sais pas moi, une ville indépendante, une ville liée, elle verse quand même ce qu'on appelle une quote-part, donc pour les services.
Et de mémoire, là, et là, je donne des ordres de grandeur parce que je ne veux pas être cité pour des chiffres exacts, là, mais de mémoire, supposons qu'une ville liée donne en quote-part 50 % de son budget, de ses revenus, parce que je pense que c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Donc, si c'était le cas, à Outremont, donc au lieu de payer 50 millions, on paierait 25 millions à la Ville-Centre. Donc, le budget, évidemment, serait augmenté fortement. Donc, on aurait certainement le double du budget. Par contre, il faut quand même faire les ajustements pour les services qui nous sont rendus. Donc, ça, ce calcul-là, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas fait. Là, donc, ce serait intéressant, effectivement, de le faire, parce que c'est, effectivement, ça peut être utilisé comme, comme base d'argument, là, si on veut, pour améliorer le financement de l'arrondissement. Là. Donc, oui, je pense que c'est une étude intéressante qu'on pourrait faire et je pense qu'on devrait faire l'exercice de toute façon. Écoutez, je ne prends pas plus de votre temps. Je pense que c'est un levier politique important qui pourrait être utilisé. Puis ça donnerait leur juste aussi, parce qu'il y a des gens qui croient que c'est possible d'avoir des finances différentes. Que c'est possible de se reprendre en main, qu'on peut restructurer. Et je sais que c'est un problème abstrait quand même, mais que les chiffres vous intéressent comme ça m'intéresse. Et puis que finalement, au bout de la ligne, c'est tout le monde qui en sortirait gagnant, à savoir où on en est. C'est un peu ça, là, l'idée. Bien, merci, monsieur, pour votre question. Puis effectivement, ça a l'air abstrait, mais c'est très concret parce que c'est les services qu'on offre aux citoyens, c'est les trottoirs qui sont bien aménagés, il y a plein de tous les services, donc là, c'est très important comme question. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que vous allez le faire? Je pense qu'on peut faire l'exercice, effectivement. Je pense que ce serait, on devrait faire l'exercice. Je pense que c'est la bonne gouvernance de le faire, de toute façon. Merci. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. Merci. Bonsoir. Donc, la prochaine question va à M. Pierre Lacerte. Bonsoir, monsieur et mesdames. Bonsoir. Pour commencer, j'avais lu dans le journal d'Outremont que monsieur Alexandre Lussier allait être réintégré au CCU. J'étais content. Évidemment, content pour lui, mais aussi content parce que je pensais que madame Patrou puis madame Pollack avaient enfin compris et qu'elles faisaient leurs excuses à monsieur Lussier, mais je m'aperçois que ce n'est pas du tout le cas. Elles n'ont rien compris ou elles ne veulent pas. Ma question touche à deux sujets qui m'occupent, qui occupent beaucoup de monde depuis maintenant 5 ans. Il y a le dossier du 367 Kerb qui a aménagé un stationnement illégal sur la marge de recul devant sa maison. Et l'autre, c'est la fameuse synagogue illégale au 3050 Saint-Viateur. Alors, ça fait 5 ans. Pour la synagogue sur Saint-Viateur, ça fait 1 an, ce mois-ci, que je vous ai posé la question, à la nouvelle administration, et je ne sais toujours pas ce qui se passe. Alors, je voulais savoir, est-ce que dans le cas du 367, des avis d'effraction ont été envoyés? Est-ce que des contraventions ont été émises? Et est-ce qu'on va procéder à la démolition de ce qui a été fait illégalement? Merci pour votre question. Je vais répondre sur la question de la synagogue illégale présumée. Et je vais aussi peut-être laisser la parole à Mme Leblanc pour Kerb, si vous voulez bien, parce que juste pour les détails du dossier. Là, mais sachez qu'on ne peut pas tout dire. C'est deux dossiers actifs, d'abord. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire, c'est que ce sont deux immeubles sur lesquels nous sommes vigilants. Et donc, nous essayons de
comment je pourrais dire, trouver la bonne conclusion pour les situations que vous avez décrites. Donc, Herb, c'est assez apparent. Et ce que nous voulons faire sur Saint-Viateur, c'est que s'il y avait une synagogue illégale, il faut effectivement ramasser une preuve qui peut... parce que si on nous sommes convaincus qu'il y a une synagogue illégale, il faut, après ça, tout le processus légal, qu'il faut remplir ce qu'il faut remplir, parce que ce que ça nécessite pour aller en cours, si jamais on voulait aller jusqu'en cours. Et donc, nous travaillons là-dessus. Je ne peux pas dire plus. Je peux juste dire que c'est un dossier qui est actif. Mais je dois m'en tenir là. Bon, je suis un peu surpris parce que nous vous avions amené des preuves tangibles de plus de 100 à 150 personnes par jour lors des sabbats qui allaient là. Et je sais que ça continue d'entrer là le vendredi après-midi, le samedi durant la journée, comme si tout allait bien de Madame la Marquise. Depuis 5 ans. Et je m'étonne parce que, bon, je ne sais pas ce qui arrive à M. Meloche, mais on m'avait fait comprendre qu'ils avaient engagé quelqu'un pour faire le même travail que les citoyens ont fait et qu'il y a déjà plusieurs mois, le rapport allait être remis de cette personne-là que je ne connais pas et qui arrivait à peu près aux mêmes conclusions que ce que nous avions fait. Et là, je ne comprends pas, est-ce qu'il faut refaire l'exercice à tous les mois pour voir si ça change? Parce que on ne sait rien sur s'ils ont eu des contraventions, si on leur a demandé officiellement de fermer. C'est rien. Ouais, je comprends d'abord la frustration là, comme citoyen qui observe. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que oui, je sais qu'il y a eu des photos qui ont été prises, enfin des choses qui ont été faites pour étayer les allégations. Nous avons fait un travail à l'interne aussi avec des firmes spécialisées. Mais je pense qu'il faut juste être conscient qu'il y a ce qu'on voit, puis après ça, il y a le processus légal. Et c'est deux choses. Oui, mais est-ce qu'on a entamé quelque chose légalement? Qu'on a... Je peux vous dire, nous avons demandé aussi des conseils légaux, là, plusieurs conseils légaux. Là, pour, plusieurs quoi? Conseils légaux, c'est-à-dire, oui. Donc, on ne suit pas nécessairement sur une source, mais sur plusieurs sources. Et encore là, je ne peux pas rentrer dans les détails, malheureusement, parce que je ne peux pas. Oui. On n'a pas envie de commencer à faire des manifestations devant des synagogues illégales ou devant. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Non, c'est ça. Mais il faut juste qu'il se passe quelque chose. Ça fait 5 ans, là. Oui. Ça fait 5 ans. Oui. Mais on vit dans l'état de droit avec un processus légal qu'il faut remplir. Et c'est sur ça qu'on travaille. Oui. Ben, il n'y a que nous qui devons nous y conformer. Il y en a d'autres qui font ce qu'ils veulent et ça marche. Peut-être pour la maison sur Kerb, s'il y a quelque chose que vous pouvez dire, Mme Leblanc. Malheureusement, je n'ai peut-être pas les dernières nouvelles, mais je pourrais faire un suivi avec M. Lasserte. Là, je vais aller me renseigner, mais il y a plusieurs interventions qui ont été effectuées dans les deux derniers mois. Oui. D'accord. Merci. On vous tient au courant pour ce qu'on peut, en tout cas, le maximum qu'on peut. Et pour la synagogue illégale aussi, que ça commence à bien faire. Oui, d'accord. Merci. Alors, c'est le tour de M. Philippe Gertin. Alors,
Alors, bonsoir, mesdames les conseillères, monsieur le maire. Bonsoir. Alors, je suis très heureux d'être ici ce soir. Depuis le début de la soirée, on entend beaucoup parler de la sécurité à Outremont. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu le sujet de ma raison d'être ici ce soir. J'entends beaucoup parler de sécurité, mais c'est essentiellement la sécurité reliée à la sécurité routière. Alors, plein d'actions qu'on va faire pour protéger les piétons des voitures, si je comprends bien. Cependant, je me souviens d'une époque où est-ce que parler de la sécurité en général à Outremont, c'était quasiment pas, c'était pas un sujet qui était important. On prenait pour acquis que Outremont était une ville extrêmement sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs, dont mes parents, s'étaient installés ici à l'époque. Et il faut rappeler qu'à cette époque-là, on avait la patrouille, qui était sécurité publique, qu'on appelait, qui était ici. On avait également le poste de police. Par la suite, malheureusement, il y a eu des changements au niveau de la ville-centre qui fait que tout ce qui était les contraventions de stationnement ont été données à une firme externe, ce qui a fait qu'on a été obligé de couper dans la sécurité publique à Outremont. On s'est retrouvé avec beaucoup moins de patrouilleurs. Par la suite, en 2019, bien là, coup de barre, on ferme le poste de police à Outremont et on l'envoie dans le coin le plus perdu de Ville-Montréal, pardon, mais à 4 km d'ici. Et là, on se retrouve dans une situation où est-ce que, lorsqu'on a besoin des policiers, qu'on leur dit « Vite, il faut que vous veniez sur la rue de Brunante », ils n'ont aucune idée c'est où. Ça peut prendre énormément de temps avant qu'ils arrivent et ça crée de plus en plus un sentiment d'insécurité à Outremont et ça commence vraiment à agacer plusieurs citoyens. En plus, pour mettre la cerise sur le sundae, il y a eu des événements. C'est certain qu'il y a eu des événements qui sont reliés à, par exemple, le pauvre petit bébé qui s'est fait rentrer dedans par un chauffeur, mais il y a également eu un meurtre dans le parc Kennedy. C'est pas rien, là. Et on remarque qu'il y a de plus en plus de vandalisme à Outremont, de plus en plus de graffitis, de plus en plus de gens qui viennent à Outremont, des gangs de rue et ainsi de suite, ce qui fait que les citoyens se sentent de moins en moins en sécurité et ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Alors, quelques citoyens ont décidé de mettre sur pied une pétition pour vous aider à justement présenter à la Ville-Centre l'importance qu'on re-avoir à nouveau le poste de police à Outremont. Alors, ceci étant dit, ce qu'on demande, c'est nous, citoyens d'Outremont, demandons à la Ville de Montréal, particulièrement à la mairesse Mme Valérie Plante et au service de police de la Ville de Montréal, particulièrement son directeur, M. Fadi Daguerre, d'être sensible au sentiment d'insécurité qui habite les citoyens d'Outremont et de procéder au retour du poste de police de proximité sur le territoire de l'arrondissement d'Outremont, et ce, dans les plus brefs délais. Alors, on a envoyé la pétition, et là, maintenant, ce soir, ce que je voulais, c'est que je vous ai apporté à vous tous des exemplaires pour vous permettre de pouvoir signer la pétition en ligne. Alors, j'aimerais savoir, parmi vous, les quatre, lesquels sont intéressés à signer la pétition? Vous? Attendez, juste pour faire ça en ordre. Non, mais je veux savoir combien de feuilles je donne, finalement. Oui, d'accord. Oui, non, c'est ça, là. Donc, c'est une demande que vous faites, là, et donc, bon, d'abord, je voudrais dire une chose. On a voté ici, au Conseil, une motion demandant le retour du poste de police. On l'a voté à la majorité, pas à l'unanimité, mais nos formations ont voté pour le retour du poste de police. Donc, je veux dire, ça irait de soi qu'on serait favorable à signer une pétition comme ça. Maintenant, là, vous faites une norme. Est-ce que vous avez une question? La question que vous posez, c'est... La question, c'est est-ce que vous seriez prêt à supporter cette pétition? Bon, alors moi, c'est sûr que je pense que nous, on l'a déjà demandé, là, donc on l'a déjà demandé officiellement par une motion et on l'a envoyé au conseil municipal de la Ville de Montréal, donc ils l'ont reçu. Donc, ils ont reçu notre motion dans ce sens-là. Et... d'ailleurs, juste en passant, j'ai eu l'occasion, à la Commission des finances, de demander à la chef du SPVM. On parlait de budget, mais j'ai dit quand même, je suis maire d'Outremont, donc je dois aussi vous poser la question, donc est-ce qu'on peut avoir le retour du poste de police? Donc effectivement, elle était par intérim, donc c'est le nouveau chef avec qui on aura ces discussions-là. Donc nous, c'est certain qu'on est favorable. Alors, si vous me demandez, moi, alors je vais céder la parole... on a voté, mais aux conseillères qui veulent répondre. Donc, je ne sais pas si Mme Patrot voudrait répondre à la question. Mais...
Merci, M. Desbois. Ça me fait plaisir si vous pouvez me donner la pétition. Je suis intéressée à en prendre connaissance. Et j'ai déjà mentionné, mais je suis très en faveur de la police de proximité et je fais confiance au nouveau chef de police du SPVM qui, justement, a dans ses outils d'être présent sur le terrain. Est-ce que ça veut dire un poste de police? Pourquoi pas. Ouais. Et je pense que il vient d'arriver et il est très ouvert à discuter avec l'ensemble des élus de chaque arrondissement. Et j'ai bien hâte de discuter avec lui des enjeux de sécurité à Outremont. Alors, merci beaucoup. Je sais que, malheureusement, je n'étais pas au Conseil le 5 décembre dernier. Je n'ai même pas vu les résultats, mais ça va de soi que vous êtes tous en faveur, j'imagine. Il n'y a personne qui est contre la sécurité à Outremont. Alors, c'est plus par... je dirais, une certaine formalité de savoir que nos conseillers nous supportent dans cette initiative-là afin de vous aider à avoir le fameux poste de police. Merci, M. Gartin. Merci beaucoup. Oui. Vous allez passer la pétition, là, donc oui. Oui, Mme Brandt, si moi, vous avez un commentaire. Moi, je l'ai déjà signée et partagée sur ma page Facebook. D'accord. Et je salue la mobilisation citoyenne. Alors, bravo, M. Citoyen impliqué. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est tout. Merci, merci, M. Gartin. Donc, la prochaine question va à Chizu Asegawa. J'espère que je prononce bien votre nom. Hi, good evening. Sorry, my French is not so good, and today I would like to speak in English. Yeah, sure, okay. Absolutely. Okay, yeah. Thank you. So my question is regarding the improvement of the traffic situation and pedestrian safety at the corner of McEachlan and Lajoie. So I'm living on McEachlan, and my child goes to premier school, Guy Drummond. And every morning and every afternoon, so the school commuting timing, I saw so fully congested on the street. And so, for example, I sent you some six pictures for your reference. Is it possible to see it now? I don't know. It's a bit so difficult to... I don't know. Est-ce qu'on a reçu des... Avant la séance, j'ai envoyé un courriel à tous les élus. J'ai envoyé un courriel de madame. Okay, I'll have a look. Apparently, we did receive, your... Because recently I always try to stand at the corner during the commuting time, school commuting time, and every day I see at least one dangerous situation. So some little kids goes to the school without parents independently. Then on McEachlan, so many cars goes to the highway because at the moment Wiseman is also blocked because of the construction. Then automatically, so traffic flow comes to more and more car goes to go on McEachlan. And so many students are crossing on Lajoie to the school direction. In that case, McEachlan Lajoie corner is almost looks like a parking place. Nobody stops behind the pedestrian. So, bad case, some parents try to have the child get out of the car in the middle of the intersection. So the situation looks really, really so very bad for the both side, for pediatrician and also for the car drivers. And for example, on last Friday, because of the journée pédagogique, so public school, primary Lajoie and Guy Drummond were closed.
Then I saw it's very obvious in the morning around 8 o'clock. Yeah, usually there is a lot of congestion, but if the school were closed, traffic was really smooth, very quiet, and no congestion. So, yeah, I would like to ask how, so if you could think about some improvements. For example, there is a lot of idea, I think, and so many parents are now thinking about it. Yeah, for example, so if we can make some time lag, school commuting time, maybe we can just a little bit, so yeah, for example, set up later, or so one street, La Joie must be just a one way, or, and so especially, so yeah, I see at the corner, so direction from McQuiggan to Van Form, there is a bus stop. And of course, if there is so many cars, some people want to use a bus stop, so just for seconds to stop there and to have their children so out of car. But in that case, McQuiggan usually it's a one lane, but only for the congestion timing, so it's gonna be like a two lanes. And one car on the two lane, and one car wants to go, so turn right, and one car goes straight. So as in this situation, so children, so three crossing are so occupied, then so children cannot identify, cannot pay attention enough, because so two cars are going at the same timing to the different directions. But no crossing guards, unfortunately. I don't know why. And some years ago, we had the brigade there, but since 1 year or 2 years, I didn't see anybody to help the children. The situation looks really, really understood. Dangerous. Yes. Yeah. No, I thank you very much for your question. I think you're not the only parent that's worried about security, and yes, especially this intersection. So thank you for bringing it up. I'll just translate in French just a summary, and then I'll answer your questions. Donc la question c'est concernant l'intersection La Joie et McEachran. Donc évidemment il y a beaucoup de circulation de transit, beaucoup de circulation pour déposer les enfants à l'école. Donc il arrive qu'il y ait tellement de trafic qu'il y a des parents qui laissent en plein milieu de l'intersection, qui ouvrent la porte pour laisser sortir leur enfant. Donc c'est des situations extrêmement dangereuses. Donc la question c'est que peut-on faire pour sécuriser cette intersection? So, I mentioned a few things that are going to happen on this corner, actually. On La Joie, we're looking, first of all, we're looking to secure the whole area with yes, the schools. And we're going school by school and discussing what can be done. This is a little bit further. This is a little bit out of the school district, but it's close. And so La Joie, there's two problems, is McEachran and La Joie. So La Joie, we're looking at different options to reduce traffic. Well, one of the options would be to make a one-way. Mm. Yeah. So that will stop cars from turning, you know, there'll be less cars turning, less cars on the street. So that is an option that we're looking, and maybe we're, if we have recommendations from our engineers and specialists, we will do a pilot project for this summer, okay, going into the fall, and we can see what you know, what the impact of that can be. And then there's McEachran. McEachran is, of course, the highway to the Viaduc Rockland, and so there's extremely a lot of traffic. There's also traffic that goes to Stanislas and all that. So. There is in the plans, in the cards, a plan to redo the whole McEachran Avenue, and the new
how can I say, the new McEachran Street that will appear after the renovations will be McEachran, that is, that would reduce speed, will help reduce speed and circulation on the street. Okay. By, you know, it's always the best idea is to narrow the streets so that people go less fast, and it becomes more secure that way. So, and maybe adding a bicycle path could be something that can be looked as well. So to make it much more secure for school kids, for parents walking, for cyclists, and the whole thing. So we're transforming Outremont. This is our project for 2023, is to make it much more secure across the borough and including on this intersection. So things will be happening very soon. So is it, maybe, do you know the reason why so it's so difficult to have a crossing guard at the corner? I'm sorry, to have what? At the corner, it's not possible to have. Oh, yes. Yeah. So, yes, of course. Yeah. And there's so much traffic that it would necessitate. Yes, absolutely. And so we can, it's the police that determines, you know, where the brigadier, where they go. And we can certainly ask the police to add somebody that would be on that intersection. Yes. I don't know if they will provide the resource, but definitely we will ask. Okay. Yeah. Thank you so much. Okay, sure. Thank you very much. Donc, juste en résumé, la réponse est que oui, on s'occupe de cette intersection. Donc, il y a des options qui sont sur la table, par exemple, de rendre la joie au sens unique. Mm-hmm. Mais il faut avoir la confirmation de nos ingénieurs spécialistes, voir quel impact ça aurait sur l'environnement. Enfin, l'environnement, c'est sur les rues avoisinantes. On ne veut pas créer des problèmes à côté. Et si ça crée un problème, il faut le résoudre. Donc c'est une option pour réduire le trafic sur la joie. Et sur Baker Green, il y a des projets, c'est déjà prévu, de réfection de l'avenue Baker Green qui... va apaiser la circulation et peut-être ajouter une piste cyclable, on verra, mais c'est toujours des options que l'on regarde avec la Ville-Centre, avec nos équipes ici, et donc il y a des choses qui s'en viennent prochainement là-dessus. Merci. Thank you. Monsieur le maire, on doit prolonger la période de questions des citoyens. Oui. Je propose. J'appuie. D'accord. On est d'accord. Et donc, notre dernière question en présentiel, donc, c'est Madame Monique Jeanne-Marre. Elle a quitté. Est-ce qu'on avait vu la question en ligne, non? Retirez-vous. Alors, Madame Jeanne-Marre, si vous nous écoutez, je vous encourage à envoyer votre question, nous envoyer un courriel avec votre question, et ça nous fera plaisir de répondre à votre question. Donc, on va commencer les questions en ligne. Alors, nous avons une vingtaine de questions en ligne. Donc, la première va à Anna Maria Mujica. Le sujet sécurité des piétons, notamment les élèves, la question, est-ce que les brigadiers qui travaillent à proximité des écoles ont le pouvoir d'intervenir, avertissement verbal auprès des automobilistes qui ne respectent pas le code de la route ou des interdictions, particulièrement aux abords des écoles, afin de les sensibiliser sur les comportements qui mettent en danger nos enfants? Alors, juste pour préciser, les brigadiers n'ont pas le pouvoir d'appliquer la réglementation en vigueur concernant la circulation automobile. C'est le rôle des policiers de le faire. Cependant, les brigadiers sont quand même précieux. Ils sécurisent les abords des écoles. Ils peuvent faire de la prévention aussi. Depuis peu, afin de les soutenir et de mieux sécuriser les abords des écoles, nous avons rehaussé le niveau des patrouilleurs aussi de la sécurité publique, afin d'effectuer des opérations de sensibilisation et d'éducation. Merci. Question numéro 2, Mme Marie-Chantal Doucet, viaduc Rockland. La question, est-ce que les plans de reconstruction du viaduc Rockland prévoient toujours un passage uniquement sur la rue Rockland, direction sud, en fermant l'accès direct sur Davard, tel que prévu dans les plans antérieurs? Comme vous savez, le secteur Bates et le viaduc Rockland est en réflexion à la ville de Montréal, qui a la juridiction.
Comme j'ai mentionné plus tôt, il va y avoir une présentation publique qui sera organisée par la Ville de Montréal. Et ce que je comprends bien aussi, qu'il y aura une consultation publique qui sera réalisée par l'Office de consultation publique de Montréal. Donc, je vous invite à participer à la réunion d'information et poser la question lors de la présentation au mois de mars. On va communiquer la date exacte. Et par après aussi, vous aurez l'occasion à l'Office de consultation publique de Montréal. Question de M. Martin Robert, déneigement. La question, serait-il possible de planifier le déneigement des rues en priorisant celles où on dénombre le plus grand nombre de vignettes? Par exemple, aujourd'hui, le 3 février, des rues bordées de maisons unifamiliales, dont plusieurs avec stationnement intégré, sont déneigées des deux côtés, tandis que d'autres rues bordées de triplex sont déneigées d'un seul côté. Merci de votre collaboration et de votre compréhension. Merci, M. Robert, de votre question. Et je comprends très bien l'enjeu là, que vous notez. Il faut dire que le déneigement, il va par priorité. Par exemple, les écoles commencent, on commence par les écoles, etc. Donc, je serais intéressé de voir quelle rue dont vous parlez. On pourra communiquer avec vous et mieux comprendre le secteur. Et par exemple, s'il y a des écoles aux abords, ça peut être une explication, je ne sais pas s'il y en a ou non, mais on pourra discuter avec vous là, de la raison pourquoi c'est fait ainsi, puis s'il y a des choses à corriger, ben, on va les corriger aussi. Donc, M. Robert, on fera le suivi avec vous prochainement. Merci. Madame Josefina Hadès, sécurité aux abords des écoles. La question, le collège Stanislas représente une importante source de trafic durant les heures d'entrée et de sortie de l'école. Vous avez mentionné lors du conseil du 17 janvier 2023 que vous étiez en discussion avec le collège Stanislas par rapport à cet enjeu, mais la réponse est demeurée vague sur la nature de votre collaboration avec eux. Est-ce possible d'avoir des détails sur la nature de cette collaboration? S'il y a un refus du collège de collaborer pour réduire le flux de véhicules associés à ces activités dans le but de sécuriser les déplacements des enfants piétons, quelle action comptez-vous prendre? Merci pour votre question. D'abord, j'aimerais dire que l'école Stanislas collabore totalement avec l'arrondissement là, sur des moyens de sécuriser le secteur et l'arrivée des parents pour laisser leurs enfants et les récupérer. Donc, nous avons d'ailleurs eu une réunion hier avec la direction de l'école et nos professionnels. Madame Brown, Madame Leblanc et les professionnels spécialistes en la matière. Donc, il y a une belle collaboration. On va trouver des solutions. À ce niveau-là, il y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc, la collaboration a commencé avant notre réunion aussi, je dois dire. Nos conseillers dans le stationnement avaient déjà communiqué avec la direction de l'école là, et les responsables de la sécurité. Donc, nous allons collecter des données en collaboration avec l'école Stanislas. Donc, et on va trouver des solutions là, aux enjeux de sécurité aux abords de l'école. Merci. La question de M. Normand Auclair, Sécurité publique. Vous avez mentionné que vous aviez augmenté la présence de la Sécurité publique pour faire respecter les limites de vitesse dans l'arrondissement. Or, la Sécurité publique n'est pas autorisée à délivrer des billets d'infraction liés à la circulation. Lorsqu'on les appelle, ils nous renvoient au 911. Que comptez-vous faire concrètement pour faire respecter les limites de vitesse dans l'arrondissement? Bon, d'abord, effectivement, j'ai annoncé qu'on va augmenter la présence de la sécurité publique, mais il faut noter que la sécurité publique ne peut pas donner de contravention. Donc, ce n'est pas pour faire respecter la limite de vitesse. Ça, c'est la responsabilité du SPVM qui donne des amendes. Nous, la sécurité publique, ce qu'elle fait, c'est que par sa présence, elle peut sensibiliser, examiner les enjeux autour des écoles, par exemple, noter ce qu'il y a à noter. Donc, on est en communication, évidemment, quotidienne avec la sécurité publique. Et il joue un rôle de sensibilisation sur la sécurité, et non pas de donner des amendes qui appartiennent à cette responsabilité-là et de la SPVM. Et si vous voyez des enjeux, n'hésitez pas à contacter le 911 pour signaler soit de la vitesse ou des comportements d'automobiles qui ne respectent pas le règlement. Merci. Monsieur Félix Gérard, Sécurité routière, la question, l'arrondissement prévoit des aménagements cyclables sur la Joie. De quel type d'aménagement est-il question? Piste unidirectionnelle, piste bidirectionnelle ou voie partagée? Dans les dernières années, l'arrondissement a privilégié les pistes bidirectionnelles qui ne protègent pas les cyclistes et les piétons aux intersections. Exemple Stuart. Plusieurs arrondissements éliminent d'ailleurs ce type d'aménagement pour favoriser des rues partagées et des pistes unidirectionnelles, jugées plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, avec la limite de vitesse désormais à 20 km/h sur la Joie. La voie partagée semble toute désignée. Est-ce que c'est ce qui est prévu?
Ben, actuellement, les aménagements sont en analyse. Donc, on analyse ça avec l'aide de Vélo Québec pour essayer de trouver les meilleures solutions pour des pistes cyclables. Donc, nous devrions pouvoir présenter des recommandations préliminaires dans les prochaines semaines. Effectivement, donc, notre objectif est de faire des aménagements en projet pilote sécurisé afin de tester les meilleures avenues qu'on pourrait mettre en place à long terme. Merci. Question d'Axel Bergman, brigadier La Joie de l'Art. La question, est-ce que ce serait possible d'engager un deuxième brigadier pendant les heures de pointe sur le coin de Delard et La Joie? Il y a un fort achalandage d'aux écoliers de Guy Drummond et Stanislas, surtout le matin. J'ai déjà témoigné plusieurs petits accrochages entre enfants et voitures. On remarque aussi que lorsque ce sont les policiers qui s'occupent de l'intersection, ils sont souvent deux à patrouiller. Oui, donc effectivement, donc, ça rejoint la question de la citoyenne précédente, donc, qui avait l'enjeu au coin de Beck et Quinn et La Joie. Donc, c'est un peu la même réponse. En ce qui concerne les brigadiers, nous avons fait la demande au SPVM pour ajouter un brigadier à l'intersection. La sécurité, évidemment, comme mentionné, c'est notre priorité. On va voir ce que la SPVM va répondre et on espère avoir une réponse favorable à notre demande. Merci. La question de Tania Giannelia. Priorité, sécurité des piétons ou fluidité automobile. La question Outremont dit qu'il veut promouvoir la mobilité active. Cependant, certaines de ses actions ne reflètent pas cette volonté. Durant la présente fermeture de Delard, l'arrondissement, via sa page Facebook, n'a pas profité pour rappeler aux gens qu'ils peuvent prendre le métro, l'autobus ou marcher, mais seulement présenter les détours en auto. Jeudi dernier, un agent de la ville remplaçait le brigadier à Delard-la-Joie. Un brigadier arrête les autos pour permettre aux piétons de traverser. Cet agent encourageait les autos à ne pas arrêter, obligeant les piétons, moins inclus, à patienter avant de traverser. Ce même agent m'a parlé de son idée d'y installer un rond-point pour améliorer la circulation automobile, sachant que ce serait au détriment de la sécurité pour les piétons. Est-ce que ces actions reflètent la position de l'arrondissement par rapport à la mobilité durable? Pourquoi l'arrondissement ne fait pas davantage pour encourager la mobilité durable plutôt que l'auto? Merci pour votre question. Donc, c'est noté, votre remarque de rappeler aux gens qu'ils peuvent prendre le métro, l'autobus ou marcher. Donc, on va s'assurer de le faire à la prochaine annonce. Je veux dire très, très brièvement, là, je vais vous dire qu'il n'y a pas question qu'on mette un rond-point au coin de Delard et La Joie. Là. Donc, ça, c'est nous n'allons pas dans cette direction-là. Au contraire, nous voulons notre priorité est de sécuriser les piétons et non pas de faciliter les voitures. Donc, soyez assurés qu'on travaille là-dessus. On travaille là-dessus sur les écoles. On travaille là-dessus pour installer des pistes cyclables. Notre position, elle est très claire. On veut favoriser la mobilité durable et sécuritaire. Merci. Question de Véronique Laberge-Gaudin. Delard fermé à la circulation. La question, je salue votre intention de fermer Delard à la circulation dès cette année. Comment prévoyez-vous aménager cet espace? Prévoyez-vous intégrer des aménagements pour accueillir les différentes générations du quartier ainsi que de mettre de l'avant la biodiversité, verdure, gestion de l'eau de pluie, etc.? Est-ce que les résidents seront consultés? Quand et sous quelle forme? Merci pour votre question, Mme Laberge. Donc, oui, la réponse est oui. C'est-à-dire que nous revoyons nos options sur l'avenue Delard. Nous avons l'intention et l'objectif de la verdir, de favoriser la biodiversité, de peut-être faire des mini-forêts, mais certainement de verdir. Et oui, vous serez, à un moment opportun, vous serez consulté. Nous aimerions avoir l'avis des résidents sur cette question. Donc, la réponse est oui. Question de Stéphanie Famdang, trottoir et piste cyclable sous le viaduc Rockland. La question, je suis une jeune maman qui habite dans le secteur Bates. Les enjeux environnementaux m'interpellent. Je privilégie la marche ou le vélo, par conséquent, ce qui est aussi bénéfique pour la santé. Je souhaite savoir quand seront installés un trottoir et une piste cyclable sous le viaduc Rockland entre Rise, Lavoirie et Bates. Le secteur se développe avec le Campus 1000, le parc à chiens, la future école, la future station du REM, et par conséquent, le secteur sera plus achalandé. Beaucoup de personnes ne prennent pas la peine de faire le détour. Ça, c'est un enjeu de sécurité important. Merci de votre écoute. Alors, merci pour votre question. Donc, c'est une préoccupation qui est partagée. Votre préoccupation est partagée. C'est la raison pour laquelle j'ai mandaté la direction de l'arrondissement afin de travailler sur un projet de couloir multifonction sous le viaduc Rockland, sur Bates. Donc, nous avons déjà engagé des consultants pour la conception de ce projet. Et lorsqu'on aura on sera fixé sur la conception, on va lancer un appel d'offres. C'est ça?
Oui, Madame Brown. Je veux juste rappeler que c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu pendant oui. notre campagne électorale. Tous les gens qui habitaient sur Bête se plaignaient de la sécurité, puis c'est quelque chose qu'il faut mettre en place et qu'on s'est engagé à faire. Tout à fait, absolument. Donc, vous n'êtes pas la seule à indiquer l'insécurité là, de passer dans ce secteur-là. Nous sommes engagés à trouver une solution qui sécuriserait le déplacement en vélo et des piétons. Merci. Donc, Mme Letourneau a déjà posé sa question. Monsieur Jean-Christophe Mortreux. Table de concertation pour la sécurité de la mobilité à Outremont. La question, nous avons entendu que certains groupes ont proposé il y a quelques mois de mettre en place une table de concertation avec des représentants de toutes les écoles et garderies du quartier afin de définir et implanter les infrastructures appropriées aux abords de toutes ces institutions dans l'arrondissement pour en sécuriser les interfaces et encourager les initiatives de transport actif en commun et scolaire. Votre équipe a parlé de mettre en place des comités avec les écoles, notamment celle de Guy Drummond. Or, mes enfants vont au collège Stanislas, mais nous n'avons pas entendu parler d'un quelconque comité. Nous aimerions plus de transparence, à savoir quelles écoles ont une place en comité, qui sont les intervenants consultés et à quelle fréquence ont lieu les rencontres entre ces écoles. Merci de clarifier en fournissant des réponses à ces questions. Merci pour votre question. Et comme j'ai mentionné déjà, nous travaillons là-dessus, sur la mobilité durable et la sécurisation aux abords du Collège Stanislas. Mais je vais laisser Mme Brown, qui est responsable de ce dossier de sécurisation autour des écoles. Donc, je vais céder la parole à Mme Brown. Alors, quelles écoles ont en place un comité? L'école Kerm a un comité mobilité et sécurité. L'école Saint-Germain, on les a informés que c'était une bonne idée pour nous de communiquer avec ce comité-là, mais pour l'instant, c'est le conseil d'établissement qui joue un peu ce rôle-là. L'école Kerb et Bussonnière ont été rencontrées ensemble. L'école Lajoie a été rencontrée aussi. Ils n'ont pas de comité mobilité-sécurité, mais on les a aussi informés et sensibilisés au fait que ce serait bien d'en avoir une. Stanislas a été rencontré. On leur a aussi fait part que ce serait bien qu'il y ait un comité mobilité-sécurité. Même chose pour les écoles Bells. Eux, par contre, c'est différent. Ils ont un responsable de la sécurité, donc ils jouent un peu ce rôle de leader-là, mais ils sont aussi informés que c'est toujours une bonne idée que les parents soient mobilisés à ce niveau-là. Guy Drummond, je l'ai déjà mentionné, ils ont un comité mobilité et sécurité de parents. Ça fait le tour, je pense? Je pense que oui. Et donc, si on rate des écoles, de toute façon, on va être sûr de les rencontrer, ceux qui présentent des problèmes, effectivement, de sécurité. Merci. Donc, on passe à la prochaine question, Madame Cruz. Oui, donc, sécurisation des entrées des ruelles, la question. Bravo à Mme Patro et Pollack pour la sécurisation des entrées des ruelles. Ils avaient apporté cet amendement en mai 2022 et enfin, l'arrondissement va de l'avant. Une meilleure visibilité à l'entrée des ruelles, pardon. C'est important pour la sécurité des enfants d'Outremont. Ben oui, bravo. Donc, on s'entend sur la sécurité et je suis très heureux de voir ça. Merci. Madame Sarah Dorner, le sujet CCU, la question. En 2017, une coalition de candidats indépendants, incluant Alexandre Lucier, n'a pas réussi à se faire élire. Ils étaient connus pour leur militantisme contre les communautés assidiques et leur opposition au projet de logement abordable. En 2018, Alexandre Lucier avait porté un cache-rire jaune au conseil d'arrondissement, évoquant la Shoah pour militer contre les autobus scolaires juifs. Alexandre Lucier a ensuite effacé les traces de sa campagne électorale et en 2019, il a fait un don à Ensemble Montréal. Ensemble Montréal a bénéficié d'une collaboration avec ses anciens candidats indépendants qui n'ont pas présenté de candidat à la mairie afin de ne pas diviser le vote. Vous aurez pu aller en appel concernant la décision de M. Lucier à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais Ensemble Montréal a bénéficié de son argent et de sa collaboration. Sa réintégration au CCU a l'apparence d'un retour d'ascenseur et d'un conflit d'intérêts. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas aller en appel? Madame Dorner, vos accusations sont très graves, ainsi que vos procès d'intention. La plus importante de vos accusations est l'évocation de la Shoah. On parle d'un drame humain inégalé dans l'histoire de l'humanité. C'est pour cette raison qu'on a un devoir de ne pas lancer des accusations à la légère. Je ne peux que m'incliner devant toutes les souffrances vécues et ressenties par la communauté juive et toutes les victimes de la Shoah. Je peux vous assurer que M. Lucie n'a jamais eu l'intention de faire référence à la Shoah. Il l'a affirmé, d'ailleurs, lors des auditions du tribunal des droits de la personne
dans la cause de la discrimination politique qu'a effectuée le conseil précédent. Jamais sous ma gouverne, je ne nommerai un membre de CCU qui est intolérant. En ce qui concerne la décision du tribunal, vous me demandez pourquoi je n'ai pas porté en appel la condamnation du juge lorsqu'il a condamné l'ancien conseil pour discrimination politique. Évidemment, nous avons reçu des avis juridiques et j'ai suivi les conseils. Madame Patreau, Madame Pollack sont très au courant de cet avis puisqu'elles l'ont reçu. Alors, un appel n'aurait pas été fondé sur une base légale. Merci pour votre question. J'aimerais intervenir, Monsieur Desbois, puisque vous m'interpellez dans votre réponse. Merci, Madame Dorner, pour votre question. À noter que Monsieur Desbois n'a pas demandé d'avis juridique concernant un appel. Il suffit de faire une demande d'accès à l'information pour se rendre compte qu'aucun appel, aucun avis juridique n'a été demandé, malheureusement. Alors, nous avons reçu un avis et vous êtes très au courant de l'avis et du contenu. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Monsieur Israël Kahn, stationnement, la question. Thanks for your great and hard work. I would like to propose that when Avenue La Joie is being cleaned from snow, to please allow parking on the other side and maybe look into other streets like Saint-Viateur or Avenue Tremont, that cars should be able to park when streets are being cleaned. Merci beaucoup pour votre question. Nous pourrons effectivement analyser votre proposition. Je pense qu'on devrait l'analyser effectivement, donc que ça aille au comité de sécurisation. Et merci. Question de Mme Vera Caraclas, corridor scolaire. La question, bonsoir, vous allez adopter ce mardi un projet visant à mettre en place des corridors scolaires. En lisant le projet, je comprends qu'on parle uniquement de changer la signalisation pour inclure des panneaux corridors scolaires. Les arrêts, les limites de vitesse et les traverses piétonnes ne sont actuellement pas respectés par les automobilistes qui se stationnent également où ce n'est pas permis et ne donnent souvent pas la priorité aux piétons comme ils devraient le faire. Pourquoi seulement ajouter des panneaux de signalisation alors que le problème relève davantage du volume de trafic en lien avec les écoles du quartier et le non-respect de la signalisation? Est-ce que le projet de corridor scolaire sera accompagné de davantage d'infrastructures, d'apaisement de la circulation, comme les bollards de l'école Guy Drummond qui empêchent les automobilistes de se stationner là où ils ne devraient pas? Bien, d'abord, j'aimerais dire que nous avons un projet de sécurisation complète là, autour des écoles et les signalisations corridors scolaires, ce n'est qu'une mesure, une des mesures, parmi beaucoup d'autres que nous avons discutées, présentées même ce soir. Donc, c'est une mesure, un pas en avant pour avertir les automobilistes qu'ils rentrent dans un secteur à risque avec des gens extrêmement vulnérables. Donc, c'est jaune, ça reflète, et donc ça va attirer l'attention. Et donc mais comme je dis, c'est une des mesures qui nous permet de progresser vers la sécurisation. Merci. La question Jacinthe Marcellet, circulation. La question, bonjour, j'aimerais savoir s'il est possible de statuer officiellement sur le passage qui contourne le CCI côté nord. Actuellement, ce passage est devenu une voie de contournement pour les automobilistes pressés roulant sur du Charme, qui veulent éviter les feux de circulation du Charme et McEachran. J'en ai même vu un récemment qui a emprunté cette voie à l'envers pour se rendre au stationnement. Pendant un certain temps, on a mis des affiches disant de faire demi-tour, mais les gens passent tout simplement à côté. Samedi dernier, je voyais deux parents avec traîneau et enfants sur ce passage en pavé uni et je me disais que ce serait terrible si j'assistais en direct à un accident. Pourrait-on désigner clairement ce passage affiche muret de béton comme étant réservé aux piétons? Plusieurs personnes avec animaux de compagnie, marcheurs, cyclistes l'utilisent déjà. Merci. Ben oui, merci pour votre question. Puis effectivement, vous avez raison, cet endroit a besoin d'être sécurisé. Et de protéger les plus vulnérables. Comme j'ai mentionné, on est en réflexion sur tous les aménagements aux abords du secteur Bates via du Crockland. On attend les résultats, mais pour votre proposition comme telle, je pense qu'on devrait l'amener au comité de sécurisation et l'examiner aussi. Donc, on en prend note et je vais demander de l'ajouter au comité de sécurisation. Et donc, vous aurez des suivis là-dessus de la part de l'arrondissement. Merci.
Question de Micheline Maranda, 1140 La Joie. La question, cet édifice a vu sa façade défigurée sans permis. Est-ce que l'administration peut nous indiquer où elle en est dans ses démarches afin que l'édifice retrouve sa façade d'antan? Bien, merci pour votre question, Mme Maranda. Donc, soyez assurés d'abord que nous examinons cet édifice 1140 La Joie de très proche. Des constats d'infraction ont été délivrés, des travaux qui ont été faits sans permis et le dossier est toujours actif. Le propriétaire doit déposer une demande de permis. Si elle ne le fait pas, bien, nous, il faut qu'on aille, on prendra les mesures nécessaires pour faire respecter le règlement. Soyez assurés. Merci. La question de Shannon Babcock, protection des résidences pour personnes âgées. La question, bravo à Mesdames Patrot et Pollack pour leur motion sur la protection des résidences pour personnes âgées qui se concrétise aujourd'hui avec un changement de réglementation. Elles avaient apporté une motion en octobre dernier afin qu'Outremont révise sa réglementation afin d'empêcher la conversion des RPA et d'autres projets ne visant pas les aînés. Ces règlements ont déjà été révisés dans de nombreux autres arrondissements comme le Sud-Ouest, Rosemont ou le Plateau. Bravo pour cet engagement de l'équipe Projet Montréal envers les personnes aînées et la protection de leur milieu de vie. Merci pour votre souci. Bravo, oui, effectivement. Donc, merci. Encore un point où je pense que tout le monde est d'accord. Merci. Donc, on a terminé la période des questions. On va passer au prochain point. Oui, le 10.05. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenu le 17 janvier 2023 à 19h. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Patrot. Je suis pour. Et je suis pour. Le point 20.01. Je souhaite me retirer pour éviter tout conflit d'intérêt sur ce dossier. D'accord. OK. Donc, je vous laisse, Mme Maître Desjardins, la parole. Donc, la proposition est à l'effet d'autoriser la deuxième option de renouvellement du contrat octroyé à la firme Caen Sport Max Inc. pour la gestion de la piscine John F. Kennedy pour une durée d'un an, soit du 6 mai 2023 au 6 mai 2024, et ce, conformément à la clause 15.02 du contrat et de l'appel d'offres public 19-17-238, d'autoriser une dépense totale indexée conformément à la clause de l'IPC de 147 750 $ et 70 sous, taxes incluses pour la gestion de la piscine John F. Kennedy dans le cadre de ce contrat, d'autoriser le paiement de redevances annuelles à la firme Caen Sport Max Inc. estimé au montant non taxable de 50 000 $ et représentant 50% des revenus perçus, desquels seront préalablement soustraits les dépenses d'exploitation encourues par l'arrondissement telles que spécifiées au cahier des charges, et d'imputer les dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. On va passer au vote et je vote pour. Merci. Donc, on va passer au point 20.02. La proposition est à l'effet d'exercer la deuxième option de renouvellement d'un an pour la prolongation du contrat octroyé à la firme Les Entreprises Tony Difeo Inc. pour la tonte de gazon dans les parcs et les espaces verts de l'arrondissement d'Outremont pour l'année 2023, tel que le prévoit l'article 2.03.02 du contrat, d'autoriser une dépense totale de 40 877 $ et 32 sous, incluant les taxes et comprenant l'ajustement de l'IPC pour une période d'un an, soit pour l'année 2023, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement financée, assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, je vais demander le vote, Mme Patrot. Je suis pour. Et je suis pour. 20.03. La proposition est à l'effet d'accorder une contribution financière d'une somme maximale de 7 000 $, toute taxe applicable incluse, à l'organisme à but non lucratif Société d'histoire d'Outremont, SHO, dans le cadre de la réalisation de leur projet Jeunes historiens d'Outremont, d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, l'arrondissement d'Outremont et l'organisme à but non lucratif Société d'histoire d'Outremont, établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution financière, d'autoriser le maire et la secrétaire d'arrondissement à signer la convention pour et non de l'arrondissement, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Mme Patrot. Oui, je suis pour. Et je suis pour.
30.01, la proposition est à l'effet d'affecter un montant total maximal de 50 000 $ taxes nettes à même le surplus libre de l'arrondissement pour les opérations d'installation et de la signalisation nécessaires pour l'implantation de corridors scolaires dans l'arrondissement, d'autoriser les fonctionnaires autorisés à approuver toute dépense et à octroyer tout contrat lié à ce projet, et ce, conformément au règlement sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires de l'arrondissement, en haut 460, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc avant d'aller au vote, oui, je voulais juste dire que bon, on installe des panneaux corridors scolaires. Donc je pense qu'il y a une centaine de panneaux, si je comprends bien à peu près, qui vont être installés. Le choix de l'emplacement a été déterminé par le SPVM, donc qui a déterminé le chemin le plus sécuritaire pour les piétons pour aller à l'école. Puis bon, ça c'est pour du côté piéton. Du côté cycliste, effectivement, on pourra faire l'examen aussi, voir s'il y a des corridors qu'on devrait ajouter pour les cyclistes, donc pour avertir qu'il y a des cyclistes qui vont à l'école. Donc c'est le commentaire que je ferai là-dessus. Merci de reprendre mon commentaire que j'ai posé l'autre fois, si ça avait été pris en compte, les pistes cyclables. Et l'autre question c'est que j'avais et sur laquelle je n'ai pas eu de réponse lors de la préparatoire, c'est est-ce qu'on a des données sur l'efficacité des corridors scolaires? À proprement dit, on n'a pas de données. Cependant, il y a des commentaires positifs, plus qualitatifs, mais pas de données quantitatives. Je pense qu'on peut dire que il y a un consensus là, dans tous les arrondissements que c'est de la bonne pratique d'ajouter des panneaux comme ça, ça avertit les automobilistes qui rentrent dans une zone à risque. Donc, on espère bien qu'ils vont changer leur comportement, par conséquent. D'accord, mais on n'a pas de données là-dessus. Parfait, merci. Comme l'ensemble des arrondissements, effectivement. Donc, est-ce qu'on a voté? Pour passer au vote. Au vote. Là, je demande le vote, Madame Patron. Je suis pour. Et je suis pour. 30.02, la proposition est à l'effet d'affecter un montant total de 100 000 $ taxes nettes à même le fonds de stationnement de l'arrondissement pour des opérations de modification de la signalisation dans le cadre de la révision des règles de stationnement dans l'arrondissement d'Outremont qui se réaliseront tout au long de l'année 2023. D'autoriser les fonctionnaires autorisés à approuver toute dépense à octroyer tout contrat lié à ce projet et ce, conformément au règlement sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires de l'arrondissement, au 460. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Est-ce qu'il y a des commentaires ou sinon on passe au vote? Oui, j'aimerais apporter des commentaires parce qu'on n'a pas le détail de ce qui est prévu là. Et comme il n'y a pas de consultation publique sur Réalisons Montréal ou quoi que ce soit, on n'a aucune idée des modifications qui vont avoir lieu. Vous nous aviez fait la même chose il y a un an à peu près, où vous aviez commencé à présenter un budget de 100 000 $. Finalement, ça s'est retrouvé à 12 000 $, je pense, pour l'année 2022. Là, j'imagine que si vous estimez avoir besoin de 100 000 $, c'est parce que vous avez besoin de plus d'argent. Est-ce que c'est de plus de... Vous avez des ambitions plus grandes et vous savez ce que vous voulez faire comme modification. Est-ce que, en toute transparence, les citoyens et citoyennes d'Outremont peuvent avoir cette information, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on a le détail encore, mais oui, Madame Leblanc, je peux vous laisser. Alors, moi, j'opérationnalise les décisions du Conseil à cet effet-là, en fonction des orientations qu'on a reçues, de remettre l'ensemble des S3R. C'est ce qu'on anticipe comme dépenses, alors, pour la prochaine année. Alors, je voudrais rappeler que, effectivement, c'est très dommage qu'on doit dépenser 100 000 $ pour changer des panneaux. Donc ici, notre objectif, c'est réparer les erreurs de l'ancien plan de stationnement. D'abord, comme j'ai mentionné, le plan de stationnement précédent, enfin actuel, là, qu'on est en train de transformer, avait du 2 heures partout à l'arrondissement. Nous avons les spécialistes qui nous disent et qui nous affirment que c'est absolument pas applicable. Alors pourquoi avoir mis un règlement de 2 heures quand c'est pas applicable? Donc nous devons et nous allons réduire le territoire du 2 heures de 50% pour permettre à l'Agence de mobilité durable de pouvoir appliquer correctement le 2 heures. Alors, comment on va faire ça?
c'est qu'on va enlever le week-end et le soir l'obligation d'avoir une vignette et donc le 2 heures, et aussi en remettant la priorité aux résidents, donc comme Mme Leblanc a parlé de mentionner les S3R, d'ailleurs qui va être une mesure beaucoup plus restrictive que le plan de l'ancienne administration, puisque personne d'autre que les résidents vont pouvoir stationner, et on parle quand même d'à peu près 50% et plus de la population qui vont être atteints par cette mesure. Donc, ça atteint des objectifs aussi écologiques, parce qu'on sait que le 2 heures, c'est une des pires mesures du point de vue écologique. Ça force les gens à bouger leur voiture à chaque 2 heures. Nous avons la confirmation de plusieurs écoles, l'estimation de combien de professeurs doivent changer leur voiture de place à chaque 2 heures. Nous avons des témoignages de commerçants et d'employés qui nous disent qu'ils doivent changer leur voiture à chaque 2 heures. Cette mesure n'atteint pas du tout l'objectif qui s'était donné. Donc, il faut travailler à rendre... Je veux dire, quand on fasse des règlements de stationnement, il faut qu'on puisse les appliquer, il faut qu'ils soient respectés. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Et aussi, on redonne la priorité aux résidents pour stationner. Alors, c'est une mesure absolument nécessaire. Et donc, on doit réparer l'erreur. Et oui, ça coûte de l'argent. Et je suis très, comment je pourrais dire, choqué par cette dépense qu'on doit faire pour réparer les erreurs du passé. Merci. Donc, on va passer au vote. Madame Patrou. Je suis contre. Et donc, je suis pour. Donc, c'est à la majorité. 30.03. La proposition est à l'effet d'affecter un montant total maximal de 35 000 $ taxes nettes à même le fonds de stationnement de l'arrondissement pour les opérations d'installation de la signalisation afin de sécuriser les accès de l'ensemble des ruelles de l'arrondissement, d'autoriser les fonctionnaires autorisés à approuver toutes dépenses et octroyer tout contrat lié à ce projet, et ce, conformément au règlement sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires de l'arrondissement, au 460, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patrou. Je suis pour. Et je suis pour. 30.04, dépôt du rapport des décisions déléguées pour le mois de décembre 2022. 30.05, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de décembre 2022. 30.06, dépôt de la liste des achats effectués par entremise de carte de crédit pour le mois de décembre 2022. 30.07, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de décembre 2022. 40.01, c'est un avis de motion. Donc, c'est l'avis de motion, donc je dois le lire. Donc, conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023 » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement, et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les tarifs exigés pour l'installation périodique d'un café-terrasse sur le domaine public dans l'arrondissement d'Outremont. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2023, AO 588. L'objet de ce règlement vise à modifier les tarifs exigés pour l'installation périodique d'un café-terrasse sur le domaine public dans l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Donc, si Mme commentaire ou vote, si vous êtes prêt à voter, on peut. Non, donc, bon. Je vous demander le vote, alors. Je suis pour. Et je suis pour. 40.3, c'est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement est utilisé. Règlement modifiant le règlement de zonage 1177 et le règlement concernant les permis et certificats sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement, et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à interdire la conversion des habitations avec services de santé, dont les résidences privées pour aînés, les RPA, par un autre usage, sauf pour un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. 40.04, la proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement de zonage 1167 et le règlement concernant les permis et certificats AO 561. L'objet de ce règlement vise à interdire la conversion des habitations avec services de santé, dont les résidences privées pour aînés, RPA, vers un autre usage, sauf pour un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. Donc, je propose. J'appuie. Oui. Parfait. Donc, je pense qu'on va passer au vote, Madame. Oui, j'appuie. Et je suis d'accord. Madame Patrou. Oui, elle appuie. Madame Patrou. Je mélange les voix. Non, c'est ça. Là, c'est, je Madame Patrou a appuyé, puis donc vote. Okay, c'est les voix. Désolée. Moi, j'appuie.
40.05, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement, le 1171. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin de sécuriser les accès des ruelles, de certaines ruelles de l'arrondissement. En fait, je ne devrais pas le... 40.05. Ah, je l'ai sauté. Moi, j'étais comme, point, je lis pas la même chose. Vous avez, oui. Donc, le 45. 40.05, oui. Oui. À la page 10. À la page 10. C'est l'avis de motion. Oui. Oui, c'est l'avis de motion, c'est ça? Sur, oui, d'accord. Non, je vois là, je ne sais pas, je suis allée un peu vite, ça fait rare. Mais moi aussi, je dis, je le suis. C'est pas que je veux que ça termine plus vite, là. Ben, je peux lire plus vite si vous voulez, non. Non, ça va, je vais le lire. Alors, conformément à l'article 356 de la loi Cité-Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public » sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à ajuster certaines normes relatives aux cafés-terrasses sur le domaine public, dont les normes applicables sur une avenue piétonne et sur la place Alice-Girard, en plus de bonifier les normes relatives à l'accessibilité universelle. 40.06, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public, AO 48. L'objet de ce règlement vise à ajuster certaines normes relatives aux cafés-terrasses sur le domaine public, dont les normes applicables sur une avenue piétonne et sur la place Alice-Girard, en plus de bonifier les normes relatives à l'accessibilité universelle. Je propose. J'appuie. On peut passer au vote, Mme Patro. Je suis pour. Et je suis pour. Avis de motion? Oui. Conformément à l'article 356 de la loi Cité-Ville, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement, le 1171, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin de sécuriser les accès de certaines ruelles de l'arrondissement. 40.08, la proposition est à l'effet d'adopter un projet de règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement, au 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement afin de sécuriser les accès de certaines ruelles de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 40.09, la proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement relatif à la circulation au stationnement au 71. L'objet de ce règlement vise à modifier les règles de stationnement sur les avenues Antonine Maillette, Ducharme, du Manoir, Dunlop, Heartland, La Joie, Pratt et Van Horn, prévues à l'annexe H du règlement relatif à la circulation au stationnement au 71 et à modifier les emplacements autorisés pour se stationner à l'aide des permis journaliers gratuits. Je propose. J'appuie. Donc, j'aimerais intervenir. Vous allez intervenir, d'accord. Ben, lors du dernier conseil, vous aviez retiré ce point séance tenante. On pensait que vous alliez répondre à certaines des questions citoyennes qui avaient mentionné que ça manquait de consultation publique, notamment pour ces changements-là. Donc là, je comprends que vous revenez avec le règlement sans aucune modification. Alors, je m'en étonne, et sachant que on l'a déjà dit en 2022, lorsqu'il a été présenté la première fois ce dossier, il ne passe aucun des critères du test climat. Non, je pense pas que c'est ça que ça dit là. Ça a été non, c'est pas ça que ça dit. Donc oui, on l'a retiré, on le remet. C'était pas pour par manque de consultation. Il y a eu une large consultation en 2020. Je pense qu'il y avait un très grand consensus. Donc, la consultation a eu lieu, contrairement à votre ancien plan de stationnement où il n'y avait aucune consultation qui avait été faite. Donc, on le remet tout simplement. Vous allez faire des vérifications et donc on le remet ce soir. C'est pas plus compliqué que ça. Passez au vote, Madame Patro. Je suis contre. Et je suis pour. À la majorité. 40.10, la proposition est à l'effet d'édicter les ordonnances pour les événements suivants et ce, conformément aux conditions et modalités inscrites au dossier décisionnel. Événement visite de 5 grands rabbins, événement cultivant Outremont, événement kermesse soleil, événement piano public, événement tango dans le parc, événement cérémonie du jour du souvenir. Donc, quelqu'un qui propose? Je propose. J'appuie. Donc, on va passer au vote, Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour.
40.11, la proposition est à l'effet d'édicter une ordonnance visant à autoriser la Société de transport de Montréal, STM, à effectuer des travaux entre 19h et 7h dans la semaine du 6 au 10 mars 2023, et ce pour une nuit, tout en respectant les limites de bruit prévues au règlement sur le bruit AO21, ainsi que la condition suivante prévue à l'ordonnance, conformément à l'article 4.1 du règlement sur le bruit AO21. La STM devra viser la direction adjointe d'arrondissement, gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif et les citoyens riverains de la date prévue pour les travaux effectués au moins 7 jours avant le début des dits travaux. Propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 47.01. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 947 Avenue Rockland la demande d'approbation de PIA. Nonobstant la recommandation du CCU, avec la réserve suivante, modifier la proposition des fenêtres numéro 1 et 2 en façade avant pour un modèle de fenêtre avec une subdivision tripartite, panneau central plus large que latéraux et carrelage en partie haute, le tout tel que les fenêtres en façade avant du 943 Avenue Rockland. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 47.2, la proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 1525 boulevard du Mont-Royal la demande d'approbation d'un PIA avec la suggestion suivante, envisager d'ajouter des sections de toiture verte sur le pavillon afin de contribuer au verdissement du campus et afin d'améliorer son impact sur les vues à partir du site patrimonial du Mont-Royal. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. 51.01, la proposition est à l'effet de désigner Mme Marie Potvin, conseillère du district de Robert-Bourassa, afin de siéger sur le conseil d'administration de la Société de développement commercial SDC de l'avenue Laurier-Ouest-Outremont dans l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. On va passer au vote. Je suis pour. Et Mme Potvin, est-ce que... Oui, elle doit se prononcer. Oui. Elle peut voter. C'est comme la mairesse suppléante, en fait. D'accord. J'appuie. D'accord, félicitations. Donc, c'est unanime. Oui. Donc, le point 51.2. C'est... Ben, étant donné l'historique de ce dossier-là et que j'ai demandé au conseiller à l'éthique et qui m'a conseillé de demander de scinder ce point-là, mais ça n'a pas été autorisé par M. Desbois et mes collègues. Donc, je me retrouve dans l'obligation de devoir me retirer pour ce point-là afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Je suis... moi, on a discuté, on va juste rester si vous voulez, parce que moi, je n'avais pas vu de conflit d'intérêts ou d'apparence, mais si, est-ce que vous voudriez partager votre avis que vous avez eu, je serais très heureux de voir, ça m'aiderait à prendre une décision, de toute façon. C'est trop tard maintenant, là, mais... Non, je ne pense pas que c'est trop tard. C'est un courriel du conseiller à l'éthique. Hein, est-ce que vous voulez le partager? Je peux le partager. Je viens de vous dire ce qu'il y a dedans. Hein. Alors, a priori, c'est pas. On suspend quelques minutes. D'accord, on suspend. Oui, c'est ça. D'accord. On va prendre une pause, le temps de regarder, et on revient dans quelques minutes.
petite pause de quelques minutes. Donc, Madame Patro nous a montré effectivement, donc a partagé avec nous un avis du conseiller à l'éthique. Et donc, ça aurait été bien, je pense, de l'avoir auparavant, mais donc on l'a vu. Et donc si Madame Patro veut se récuser, donc. Je ne veux pas me récuser, je veux juste ne pas prendre part au vote, puisque je comprends. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Mais madame, donc je comprends. Ok, merci monsieur Poulain. Mais donc, vous avez mentionné, madame Leblanc, qu'il était possible de faire une modification à l'ordre du jour, même si on était rendu à ce point-là. Mais je comprends que vous ne souhaitez pas aller de l'avant avec une modification à l'ordre du jour, c'est ce que je comprends. Non, je pense que ce serait. La modification de l'autre jour, on l'a déjà, ça a été proposé, mm-hmm. puis ça n'a pas passé, donc il est adopté tel quel, mais vous êtes rendu au point, vous pourriez reproposer un amendement, puis ça pourrait être appuyé cette fois-ci. Non, mais je pense qu'il est souhaitable là, juste d'aller de l'avant, là, puis si vous voulez vous excusez, il n'y a pas de problème. Je propose quand même un amendement, alors, à ce point-ci, de scinder le point en deux, de façon à ôter le nom, de voter en deux blocs. Alexandre Lucier et puis les autres membres candidats. Ça a déjà été proposé au début de... Ça a déjà été proposé, une information nouvelle que vous avez. Ouais. On peut souvent arriver à un point, un conseiller peut proposer de retirer le point, de le remettre à une séance suivante. Donc. Non, on ne veut pas le remettre à une séance suivante. Je pense pas. Si l'amendement était proposé, il ne serait pas appuyé. L'amendement tombe. Non, je pense qu'on peut... donc c'est l'amendement qu'on vous demandait là, de faire la scission entre les deux. Je pense que de toute façon, je pense pas que ça change grand chose. Donc on peut aller de l'avant avec ça. Donc on peut aller de l'avant avec ça. L'amendement? Oui. L'amendement. Oui, je vais l'appuyer. Oui. OK. Donc attendez. Il va y avoir. Je ne sais pas rappeler pas trop. Donc, de scinder le point et de voter la nomination de M. Alexandre Lucier de façon, distincte. Donc, le vote sur l'amendement proposé par Mme Patro, appuyé par M. Desbois. Je vote pour. Et Mme Potvin. J'appuie. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, je vais faire la proposition... pour M. Lucier d'abord, et je vais la relire dans un deuxième temps avec le reste des membres. Donc, la proposition est à l'effet de nommer M. Vous allez vous récuser pour celui-là? Ah oui, c'est ça, là, attendez. Sans M. Lucier. Oui, on va commencer avec... Parfait. Donc, la proposition est à l'effet de nommer... trois membres pour former une partie des membres du comité consultatif d'urbanisme, à savoir Mme Catherine Beaudoin, M. Raouf Boutros, M. Marc-Antoine Larose, et de renouveler le mandat de trois membres en tant que membres du comité consultatif d'urbanisme, Mme Laurence Lebeu, M. Thiago Valente et M. Pierre Lucio Pellissier. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Alors, je voudrais juste faire une intervention avant sur ces candidats-là. Je leur félicite et je les remercie de se présenter. J'ai juste... le comité, à ma connaissance, ne va pas être paritaire. Alors, je voulais savoir si ça avait été pris en compte dans les discussions de façon à s'assurer que tous les comités de l'arrondissement soient paritaires. Oui, d'accord. Donc, c'est toujours une considération, absolument. Donc, je vais laisser Mme Brand intervenir. C'est que vous oubliez Mme Potvin et moi comme membres étant des femmes. Donc, avec Mme Potvin, Mme Brand, Mme Beaudoin, Mme Lebeu, ça fait quatre. OK. Monsieur Lucier, Monsieur Boutros, Monsieur Larose, Monsieur Valente, Monsieur Pellissier, ça fait cinq. Donc, on était paritaire dans le sens que c'est un nombre impair. Avec les élus. D'accord. Parfait. Ben, tant mieux. D'accord. Donc, Je suis vote. Pour. Oui, d'accord. Et je suis pour. Félicitations aux candidats qui s'impliquent
bénévolement pour ce comité important, le comité de consultatif sur l'urbanisme. Donc, merci. On vous dire merci et félicitations. Donc, on va passer au prochain point. Donc, Madame oui. Patreau déclare son intérêt et se retire à 21h24. Donc, la proposition est à l'effet de nommer M. Alexandre Lucier membre pour former une partie des membres du comité consultatif d'urbanisme. Je propose. J'appuie. Et je vote pour. Donc, c'est unanime. Bon. Donc, le point 65.1, la proposition est à l'effet de proclamer la... Oh, non, c'est la motion. C'est une motion. Je suis désolée. Mais... C'est correct, on est tous emballés par cette journée de la persévérance scolaire. Donc, je vais lire la motion. Attendu que la campagne sur les journées de la persévérance scolaire regroupant plusieurs partenaires se tiendra du 13 au 17 février 2023 sur la thématique « L'importance de l'entourage, nos gestes, un plus pour la réussite, pour leur réussite, pardon, et que ces journées se veulent un temps fort dans l'année et témoignant de la mobilisation collective autour de la persévérance et de la réussite scolaire. Attendu que l'appui et la présence bienveillante de tous les adultes sont primordiaux dans la réussite scolaire. Attendu que les élus municipaux veulent témoigner de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation. Attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, entre autres à travers le mouvement Réussite éducative, les élus s'engagent de Concertation Montréal. La proposition est à l'effet de proclamer la semaine du 13 au 17 février 2023 comme celle des journées de la persévérance scolaire, d'exprimer unanimement et publiquement la solidarité et le soutien envers les jeunes et envers l'ensemble des intervenants du réseau d'éducation, d'appuyer la campagne des journées de la persévérance scolaire 2023 sur la thématique « L'importance de l'entourage, nos gestes, un plus pour leur réussite » et d'inviter les élus à y participer, ce que nous faisons ce soir. Voilà. J'appuie. D'accord. Donc, je pense qu'on est tous d'accord. Madame Potvin. J'appuie. Et j'appuie avec enthousiasme. Donc, pour le dernier point, je vais aussi me retirer. Parfait. Donc, Madame Brand pour la motion. D'accord. Alors, motion réparation suite à la discrimination subie par M. Alexandre Lucier. Attendu que le 18 décembre 2017, le mandat de M. Alexandre Lucier, à titre de membre résident et de vice-président du CCU, est révoqué par une décision majoritaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont, telle qu'il apparaît en pièce jointe. Attendu que cette décision fut prise en raison de l'expression de ses convictions politiques, soit sa décision de se porter candidat à la mairie de l'arrondissement d'Outremont, telle que décrit par l'honorable juge Huppé le 29 mars 2021. Il y a une petite erreur de frappe, là, mais c'est pas grave. Attendu qu'après l'expulsion de M. Lucier, les membres non élus du CCU, soit des résidents d'Outremont, ont adopté une résolution en date du 10 janvier 2018, telle qu'il apparaît dans cet extrait. Entre guillemets, il souligne la qualité de son implication et la pertinence de ses interventions. Son expertise légale est un apport important aux réflexions du CCU. Ils auraient souhaité être consultés et informés en amont de cette décision. Cette destitution leur semble injustifiée. Ils craignent une influence accrue du politique dans ce comité, qu'ils voient comme devant être apolitique. L'ensemble des membres non élus déplore la destitution de M. Lucier et demande au conseil d'arrondissement de reconsidérer leur position et de réintégrer M. Lucier à titre de membre résident. Attends-tu qu'une plainte a été déposée concernant la révocation de M. Lucier à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et qu'une audition a eu lieu les 24 et 25 janvier 2022 au Tribunal des droits de la personne? Attendu que l'honorable Luc Huppé, juge de la Cour du Québec, a rendu un jugement le 29 mars 2022 en faveur de M. Lucier et qu'il écrit au paragraphe 83, entre guillemets,
La discrétion attribuée au conseil d'arrondissement quant à la révocation du mandat des membres du CCU ne peut être exercée pour des raisons partisanes. Elle ne peut servir de manière discriminatoire à exclure des membres sur la base de leur allégeance politique ou à mettre à l'égard une personne qui, dans une campagne électorale, s'est positionnée comme adversaire d'une personne ayant ultimement remporté l'élection. Plus loin au paragraphe 88, entre guillemets, la responsabilité de la Ville de Montréal a été engagée par l'adoption d'une résolution discriminatoire par le Conseil d'arrondissement d'Outremont. La réclamation de la Commission à l'encontre de la Ville de Montréal est donc bien fondée. Plus loin au paragraphe 98, entre guillemets, le dommage moral subi par M. Lucien en raison de la révocation de son mandat au CCU dépasse la déception, la frustration et la colère ressentie pour avoir été exclu de cette fonction de manière discriminatoire par un conseil d'arrondissement désormais contrôlé par un adversaire politique et son équipe. Encore au paragraphe 99, la vigueur d'une communauté dépend de la participation active de ses membres dans les affaires publiques. Quelle que soit la forme qu'elle prenne, et peu importe le niveau de gouvernement auprès duquel elle se manifeste, l'implication citoyenne représente une condition vitale de la démocratie. En marge des mécanismes officiels d'expression de la volonté populaire, comme les élections et les référendums, la participation des citoyens non élus au fonctionnement des institutions qui gouvernent la société permet l'expression et la prise en compte des points de vue diversifiés à propos des politiques publiques. La collectivité ne peut qu'en tirer un grand bénéfice. Attendu que M. Lucie a été victime de discrimination de par les agissements d'un vote majoritaire du Conseil d'Outremont en 2018, attendu qu'une indemnisation financière est une bien piètre réparation et qu'on ne peut accepter comme société qu'il soit acceptable de discriminer tant et aussi longtemps qu'une réparation pécuniaire soit versée. Attendu que le principe de restitution intégrale devrait s'appliquer, je propose, et la proposition est à l'effet de prendre acte du jugement du Tribunal des droits de la personne rendu sous la plume de l'honorable Luc Huppé dans l'affaire Commission des droits de la personne et de la jeunesse, entre parenthèses, Lucier contre la Ville de Montréal, entre parenthèses, arrondissement d'Outremont, d'offrir des excuses à M. Lucier pour la discrimination dont il a été victime en décembre 2018 et d'offrir à M. Lucier, à titre de réparation intégrale, de réintégrer son poste comme membre non professionnel du CCE d'Outremont. Donc, je vais appuyer. J'appuie. Donc, on passe au vote et... OK, mais vous avez appuyé, monsieur Desbois. J'appuie, puis madame, Potvin vote. Oui. Donc, madame Potvin, vous êtes pour, donc c'est unanime. Donc, voilà qui conclut la séance du 7 février. Donc, merci à tout le monde qui ont veillé tard et qui ont en présence ou en visioconférence. Donc, merci beaucoup de votre participation et je vous souhaite, je pense que nous souhaitons tous et toutes une belle soirée et beau mois.